Eh ben dis donc. Oh le drama. Le drama qui est peut-être pas terminé d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi, attendez. Alors, superbe pépin de ma part et j'en suis désolé. En fait, là, vous avez une toute petite vidéo qui correspond à l'introduction intégrale de Snowbound, en plus que je vous ai faite moi, oralement. Mais le temps de me relaxer et de me mettre en position de jeu, de me détendre mes jambes sur le siège, j'ai eu le malheur de faire un coup de kung-fu au câble de mon clavier. Donc mon clavier a giclé de ma table et il est parti retourner comme une crêpe sur le sol. Et j'ignore comment. Il y a une touche qui a dû être activée par la magie du démon. Et en fait, ça a coupé la gestion du son par voice meter. Donc j'avais ma webcam en plus c'était figé. Et mon microphone, j'étais en sourdine. Donc j'espère que déjà mon clavier a pas trop morflé à vue. Il a pas de pète. Mais horrible quoi. Le câble qui avait rien à faire sous mon pied. Et j'ai eu le malheur de mal le tirer vers moi quand j'ai voulu commencer à jouer quoi. Donc pas de bol. Bonjour SDR, j'espère que tu vas bien. Mais c'est comme ça qu'on bousille son matériel. Donc bonjour Twinsen. Alors, je recommence mon intro. Au lieu de faire Minecraft dès ce matin, entre guillemets, je laisse une chance au jeu Project Snowbound, dont je vous avais déjà précédemment parlé pour les fidèles de mon canal et de celui de FunFan. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit bébé d'Edios. Et comment dire, ça aurait dû être le troisième opus à la base de la saga Deus Ex. Et il y a eu des couacs apparemment, je sais plus l'histoire du studio, je l'ai plus en tête, mais c'est devenu l'énigmatique projet Snowbound. Alors il est décrié, il est réputé moyen. On va lui laisser sa chance, on va voir, j'ai envie d'essayer. Donc je recollerai les morceaux quand je publierai le direct sur YouTube. Je recollerai mon intro orale et l'intro du jeu en vidéo avec ma reprise de là maintenant. Encore navré, pardon, de l'incident technique là, d'avoir bazardé et explosé mon clavier en direct avec tout ce qui va avec. On y retourne. Voilà. Alors, défendre la cour de l'attaque ennemie. Ok. Attends, voilà. Oula, oula, c'est hyper sensible en plus. Attends, voilà. Je me place où, moi, monsieur? Ah oui, c'est la guerre-guerre. Rigolo. Attendez, moi, je vais me placer sur un autre... derrière les caisses. Y'a personne, là? Moi, je suis bien, moi, derrière les caisses. Wow, c'est hyper sensible, c'est pas facile. Ah! Ça fait piquer le cul par un... Ah merde, je suis à découvert. Qu'est-ce qui se passe? La guerre! Oh là, oh là, oh là, faut que je me planque, moi. Au secours! Ah! Salopard! Oh, c'est beau que ça. Ah! C'est horrible! Je me prends des éclats d'obus! Surtout! Comment ça, une brèche? Non, c'est mes copains, pardon! Je fais des tirs! Sur l'allié, rien ne va plus! Oulala, attendez, faut que je vous lise! Ah, mais pardon, attendez. Mais oui, mais j'ai pas mis le bon plan. On va la refaire. De toute façon, je vais vous refaire la... Attendez. Attendez. C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute. Ah, comme un dimanche matin. Voilà. Et là, normalement... Alors, boum, boum, et chaka boum.
Voilà. Alors, je vais vous remettre l'intro. Allez, on va redémarrer le truc. L'autre game. Non, je peux pas dire que je veux redémarrer le schmilblick. Oui, mais c'est pas grave. J'en reviens au menu ou je... Ah non, il me fait quitter, 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 quoi. La violence, apparemment. Non, ah, ça va. Alors, on recommence. Hop, bon, moi j'aurai une intro propre. Allez, c'est parti. Un petit matin de Chine. Ding 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 ding. On est à Hong Kong. Voilà. C'est la guerre. Alors moi j'étais pas mal moi côté caisse. Alors les salopards. Oh la vache. Ils arrivent. Alors, les vilains, ils sont où? Oh, tout le monde là-bas. Vache, je me suis pris un éclat de je sais pas quoi. J'ai la gueule. Oh mon dieu. C'est rigolo, ça défoule, c'est horrible, hein. Ça défoule. Allez vilain, mange-toi du plomb. Je crois que je vais devoir faire usage du zoom de mon arme. On a plein sur le toit là, c'est normalement. Il y en a qui fait son ninja à un moment donné. Non, sérieux, il n'y a plus personne. Quoi? Ah, il me donne l'info parce que je me suis vautré sur le truc. D'accord. Oui, merci pour les infos. Oui, je pense bien qu'une trousse de soie, ça fait du bien. Y'a plus personne? Y'a plus personne. C'est ça, mets à jour le radar. Oh, le bordel. Ah, c'est cool! J'ai le droit de récupérer le matos de l'ennemi, je crois. Trop bien! Faut que je pense à fouiller des cadavres. C'est horrible, mais c'est ainsi. C'est la guerre. Oh, des truelles. C'est pas souvent qu'on voit des truelles modélisées dans les jeux vidéo. Ouais, ok. Alors pardon, je prends le temps de lire l'interface et de me familiariser avec. Il est là. Oh, un gardon du Danube. Bien, Ezer. Tant que je m'en mette plein les fouilles. Grenade, grenade. Ibi. Oh le bazar. Non, bah c'est bon après. Alors attendez, c'est quoi la suite de l'histoire?
peut-être aller par là, je crois, non? Bah, j'espère bien que le radar a été mis à jour, il est marrant, lui. Eh, le paysage est pas mal. Stylé. C'est beau, la Chine. Alors, si je dis pas d'annerie, là, la petite base de Chine, peut-être qu'à la base, ils voulaient modéliser, vous savez, dans Deus Ex, premier du nom, la planque de Tracer Tong. Allez savoir. C'était peut-être ça, initialement. Attendez, je suis en train de me faire peur. Je suis en train de me dire... Attendez. Merde, c'est bien ce que je me disais. Là, c'est pour se mettre de la grenade. Attendez voir. Je ne sais plus comment je fais pour ouvrir les portes. 30 secondes, excusez-moi du peu. Alors, use augmentation. Ah, use R ou S. Comment j'ai défini R ou S, moi? Ah oui, je crois savoir. Comme ça. Ou Z. Oui, bah ce sera le 1. C'est très bien. Allez, hop. On va faire comme ça. Alors, quand je dis le 1 par rapport au Z, ça correspond au bouton de ma souris. Et si je fais pas l'idiot, je recharge. Je n'ai rien compris. Quoi? Pas d'item dans cette catégorie. Alors, pardon pour le petit moment de flottement. Mais faut vraiment que je prenne mes repères. C'est une découverte hein, pour moi. Je croyais que je peux me la jouer à la Lara Croft. Enfin, si le câble est électrifié, je suis pas dans la mouise. Mais y a rien dans les seaux. Attendez. Je suis pas sûr de mon coup. Attendez voir. Au niveau des options. Qu'est-ce qu'il y a? Tu joues pas comme Fun Fan? À toujours courir. Alors moi je suis l'inverse de Fun Fan à ce niveau-là. C'est je suis plutôt du genre à prendre mon temps et à commenter ce que je vois. Une façon de mode contemplatif. Alors. Est-ce que je peux. Comment on fait pour effacer les autres propositions? Non, Mousselef, c'est ça. Et oh, il est fou, lui. Ouais. J'espère que mon truc va fonctionner. Mince, j'ai tiré. Mais non, il fait toujours du reload. Pardon, je sais que c'est chiant, je suis désolé, mais il y a un truc que je piche pas. Est-ce que je vais ouvrir la porte ou pas? Parce que recharger, pick up, use. Non, bah c'est la bonne touche. Jump, crush, zoom, melee, attack, view, objectif, marqueur. Ouais, accélérer, maintenant ça c'est liqué l'inventaire. C'est vrai que l'inventaire, je l'ai pas mis en valeur. Attendez voir. J'aurais peut-être bien de le mettre comme ça, moi, l'inventaire. Alors, si je demande l'inventaire. Il se passe rien. Ok, j'ai pas encore le droit d'accéder à mon inventaire. Tout va bien. Ah, là je fais coucher. Là c'est le menu. Là il me dit que j'ai rien dans le. Bah merde alors. C'est pas instinctif, je dois faire quoi? Ah, il faut passer par là. Ok. Ok, on y croit. Non, t'es sérieux? Mais non, ça va. Et l'objectif, c'est ce que ça? Alors, il y a... D'accord, une porte de sauvegarde sur le côté. Regarde les portes marquées avec l'icône spéciale pour enregistrer ton progrès. Enfin, ta progression. Ok. Ah, oh. Vous savez, ça me fait un peu penser à... Si vous l'avez connu. À... Quoi? L'interface de sauvegarde... sur Olistra, sur son disque dur, oui, d'accord. My wife specifically told me not to get shot. Ah, c'est ça?
Oh. Je peux... Oh! Ah, d'accord. Le mec, il a une drôle de manière de... de manipuler le matos. Ok, j'ai sauvegardé. Ah, oh, c'est pas mal. Merde, quel jeu je voulais vous parler là? Celui qui était réputé violent à sa sortie, qui est pareil, un FPS. Que j'aime bien en plus. Mais j'ai déjà oublié le nom, comme d'hab. Tout va bien. Non, ça c'est encore de là. Et c'est trompeur! Sur la caisse, vous voyez des balles, vous pensez à des munitions. Et en fait, c'est des trousses de soins. Ça induit en erreur. Et je suis reparti dans le sens opposé. Tout va bien. Oh là là là. Et quoi ça? Et voilà. La guerre. Oh, un troupé. Oh putain. Ah, je... Wow! L'aéronef carrément qui me sauce. Attendez, je recharge. Merci. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh oh! Ah oh! Ah oh! Ah! La vache! Attendez, je me mets à l'opposé, m'en fous. Ah! Il m'a tiré dessus, le vilain. Vache. Grenade! Bleh. Oh là, c'est quoi ce délire? Hein? Oh, il y a des méchas. Déconne pas! Ah! Regardez là, ouais. Oh la vache! Et il est mort le truc? Pas celui-là. Attends, il est où l'autre? Oh là là! Il est en train de décimer mes trucs, lui. Oh là là. C'est pas évident. Merde. Putain, j'ai eu un éclat d'obus qui m'a fait triper. Minute papillon. Ok. Oui, grenade, j'en ai fait pas mal usage. Oui, je vais bouger mes fesses. Mais j'aimerais faire ma récolte là. Parce qu'il y a eu pas mal de matériel à droite et à gauche. On enregistre comme de lourdes pertes. Oui, oui, oui. Alors, petit magasin du jour. Chez l'ennemi. Non, j'ai déjà tout, déconnez pas. Bon, bah j'ai droit à rien. Oh, je suis déception. Là, y'a rien. Ah non, c'est fermé. Bon. Et B. We got reports of Republic forces on the perimeter. Let's stay alert and not take any unnecessary chances. Ah oui, ici, on sait le tas. Oh, il y a trop de fumée là, je vois plus rien. Vache. C'est des foirailles. Oh mon dieu. Oh joli, comment il a giqué comme un caca. C'est beau. Oula, 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 attention, c'est pas dégueu. Merde! Ça fait rigolo. Oh la vache. Yeah, il a bien jeté, lui. Oh la vache.
joue à la Rambo là. Oh! Ça craint du boudin. Merde, j'ai plus de munitions. Ah, je suis dans les mines. Vite. Ah, ça c'est sympa ça, ça joue bien. Comment je m'en sers? Ah, c'est cool. Alors, je me sens déjà mieux. Non mais attendez. Mais pourquoi je peux plus en faire usage? Ah. Évidemment, il va se cracher sur notre poche. Sinon, c'est pas drôle. Ok. Tout est redevenu calme. C'était l'aéronef du commandant, à mon avis. Oui, merci. Ouais. Oui, je te parle avec les ours de fer qu'il y a eu. Ouais, tu... Oh oh. Oups. Ok. Tout va bien. Oui, je veux bien sauvegarder. Je... Soyons fous. You up in no time. Just hang in there. How did I get here? Growing up listening to Dad's horror stories about the war, I never thought I'd join the army. Yet here I am. What's left of me, anyway? Think he's a candidate? We can keep him up and running. Get LC on the horn and tell him we might have a scarecrow. We'll be in A block. My brother was a soldier. He died on duty. 4 years ago. A homemade RPG held together by duct tape took out his $120 million helicopter. I joined the Liberty Coalition that very same day. Get on either side. Decreed, his leg. Got him. Ready. On three. One, two, three. Ça, ça fait réaliste. That's great. Wait for backups. Frost. Frost. After my brother died, I felt lost. I followed in his footsteps. Hoping it would lead me back somehow. Make me whole. Pulse ox is low, 82. This isn't looking good, kids. Instead, today happened. The day General Yan Lo stormed the capital in a bloody coup. The day I share my brother's fate. We clear on Scarecrow. LC, thumbs up. Doc, we got problems. We're losing him! The day I die. Eh bien. Oui, c'est vrai que le coup des jambes, c'était un peu violent. Donc son frère est mort il y a 4 ans, engagé aussi à l'armée aussi. Welcome back, Lieutenant. Close shave, huh? Lieutenant? His eyes aren't focusing, DeGreen. Oh, shoot. Right. And... And if you wouldn't mind smiling for the cameras, please? Thanks. You've been implanted with a series of bleeding-edge bio-enhancements. First up, retinal enhancements. There we go. See that? In the corner? GPS radar. And that yellow dot will always indicate your next objective. You should get some rest, DeGreen. It's been a long day. Good work. I believe Lieutenant Colonel Kanazawa is waiting to see you in the briefing room. Head over to the armory now and pick up your equipment. Alors, je vous promets que j'ai pas fait exprès et que la surprise... I will keep the Colonel waiting, Lieutenant. Que la surprise est bien marrante. Alors là, évidemment, je suis devenu un Robocop, hein. Mais il vient de parler d'un gradé qui s'appelle Kanazawa. Et
Bon, il se trouve que la ville jumelée de Nancy, avec laquelle Nancy est jumelée au Japon, est la ville de Kanazawa. Ça me fait marrer. C'est un concours de circonstances dingue, mais bon. Eux aussi, c'est des futurs Robocop? Oh la vache. Enfin, eux, ils ont l'air normaux, mais comparé à mes bras à moi. Mais bon, bref. Bon, qui c'est qui m'attend? I've been told to direct you to the armory, sir. Alors, japonais, ça va encore, mais chinois, je vais rien comprendre. Oh. Ok. Dakodak. He's like Sergeant Major Chung, except he's like the next stage of development. I heard they even phased out the Bionic Arm in favor of internal. Oh, de l'encens, man, trop bien. I'm frag myself hardcore. Maybe they'll make me into a super soldier. Oh sure. And become an indentured servant. Oh, those enhancements, they're worth millions of dollars. Once you become a super soldier, the military owns your ass till the day you die. Okay, so here's the real question. Can you still Dr. Altman to D-Block, ASAP. Sure you can, but only with machines. Wow, c'est quoi tout ce matos? Mais ils arrivent à respirer avec tout cet encens en intérieur là ou quoi? Parce que c'est pas comme s'ils allaient avec le dos de la cuillère quoi. Oh la vache. So did a lot of guys. Ah. PFC Walker reporting for duty, sir. It's an honor to serve with you, sir. You exemplify the ideals and principles that made me join the coalition, sir. I look forward to serving you and okay. serving the cause. C'est peut-être là qu'il faut que j'aille. Bon, pas très bavard. Ok, on dirait une porte. Ah, pas mal. La vache, le raccord électrique, toi. Bon, bref. Here's your carbine and pistol. You can get your ammo in the chopper. Oh yeah, you better talk to the doc before you. Oula! Standard military issue station equipment. Oui, d'accord. Carabine à sourif. Oui, pistolet mitrailleur, quoi. Avec, oui, le lance-grenade de la dernière fois. Oui, mais j'ai retrouvé mon matos d'avant. C'est cool. Entraînement, non? Attendez. Non, j'ai pas le droit. Merde. Peut-être fermer ça, non? Oh, trop bien. Bon, je suis au moins certain de la touche qui me permet d'interagir avec les objets. Ouh, c'est spécial. Et donc... Non, j'ai pas le droit de... Oh la vache! Oh yeah! Trop bien comment j'ai changé de flingue. Attendez voir. Ah non, il faut que j'aille au point jaune. You still need your vision augmentations activated, Frost. Vous pouvez non, faut que je passe par là. Not another one. Don't take it personally, Howard. Ah, there you are, Frost. Come over here so I can activate your vision augmentations. Now you can detect enemy heat signatures even through walls. The boys at Scarecrow are especially proud of that one. And now for the main course, ballistic shielding. Actually, I couldn't get ballistic shielding online. Excuse me? Yeah, there were complications. I see. Yeah, I'll be somewhere else now. Alors, la vision... Tac, 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 tac. Ok, bah, je vais avoir pas mal d'infos. My apologies, Lieutenant. You have to understand, because of the pullout, we were ordered to cut corners and get you combat ready as soon as possible. We managed to shave down the usual. I won't tell anyone if you won't, sir. Oh. Ok. Oh vache. Hic. Non, y a rien. Attendez voir. Oui, des grenades, merci. Ah, d'accord, des grenades flash en plus. Aveuglantes.
D'accord. Ok. Ça, je peux pas transporter, non. Puis, je veux dire, il n'y a pas l'intérêt. Way to score, sir. Kinetic Kicker. Ah, il s'inspirera pas de Half-Life. Attendez voir. Ah si. C'est la même logique que Half-Life avec le pistolet manipulateur de matos là. D'accord. Ok. Ils ont copié-collé Half-Life à ce niveau-là. Ah, c'est rigolo. Bon. Ah, d'accord, je ressors par là. Ok. Et mon but, c'était quoi? J'ai pas compris. Parce que là, j'ai regagné un tour gratuit, hein, comme on dit. Je tourne en rond. Faut pas que j'aille par là, quand même. Non. Non, non, c'est verrouillé. Attendez, voir. Non, bah non. Il fallait que j'aille plus loin dans le couloir, en fait. Oh. Ah, peut-être par là. Maintenant, ils ont bougé leur boule. Je peux y aller. Tac, tac, tac. Requesting access for Frost, Nathan. C'est pour moi. Ah, oh. Quoi? Déjà? Oh! Allez, ouvrez la porte. Enfin, si je peux. Alors, accès à sécurité. Tac, 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 tac. Ah oui, d'accord, ok. Mais. Bah, attendez. I speak. It's gone haywire. Oh merde. Je pensais pas produire ça moi. D'accord. Ah. Et manuel overdrive. Ah oui. Oh la vache. Je peux prendre le contrôle des périphériques. Nice work, sir. Waouh, stylé. Non, intelligence artificielle. Attendez. Mais. Bah. Attendez. Bah. Comment je fais pour sortir du bazar? Pardon, hein, je suis en train de me planter dans les touches. Et j'essaie de prendre mes repères. Oui, et ben R. Je peux pas. Parce que si je fais R au clavier, il me dit quoi lui? Ah. On va y arriver. Ok. Je vous lis hein, dans le chat si vous voulez écrire des choses. Ok. Ah, j'ai pris le contrôle de ça en fait. D'accord. Ok. C'est beau. Moi j'aime bien. Stylé. Les plafonds chinois. Enfin les plafonds. Les toits chinois. Forget this, man. I signed up for a peacekeeping mission. Not what happened here yesterday. If only Echo Squad was here. The LC's waiting for you in the war room, sir. Mm-hmm. T'es qui lui? Lieutenant. Bonjour Olive. Ouais, t'as besoin de te reposer? Bah bon repos à toi Olive, merci à toi d'être là. Bah oui, relax, fais-toi un bon chocolat chauve. Tiens d'ailleurs tu me fais penser, je vais boire mon café moi. Café au lait. Ah oui, bisous tout plein, Olive. Oh, c'est quoi ? Ok.
Bon, ça va rien m'apprendre. Non, j'ai pas le droit de déverrouiller le... Attendez. Le radar me dit que l'objectif est là. Ça y est, j'ai pas rempli un ordre auprès du monsieur. C'est ça? I wouldn't keep Kanazawa waiting, sir. Bah oui, je veux bien voir monsieur Kanazawa là, mais... La porte est verrouillée. C'est pas par là? Ah, peut-être par là. Oh, je comprends plus. Là, je reviens sur mes pas. Ok, je suis un abruti. Tout va bien. Allez, je vais faire un peu de rangement. Oh merde. Le premier qui m'enquiquine, je lui balance la caisse dans la tronche. Ah. Oh. Attends, il m'a interpellé lui. Non. Oh. C'est quoi tous ces petits robots? T'as peur? Il m'attend à l'intérieur, d'accord. Oh merde. C'est... Ouh. Ouh, cette installation. Oh la vache. Bon, il est où, monsieur Kanazawa? Come. Let's see what science has done to you. You are the future, lieutenant. The future of war. The future of man. A shame we must abandon our work here without testing your full potential. The Security Council has ordered an immediate evacuation of all coalition forces from Hong Kong while they reassess the situation. Orders are orders, and we will, of course, comply. Now, if you will turn your attention to the holo display, please. Quoi, l'affichage holographique? Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Now then. A fleet of coalition transport ships await us at Victoria Harbor. Unfortunately, a Republic base in Kowloon blocks our escape route. At 1825, Sergeant Chung will lead 2nd Platoon in UH-17 Fireflies to downtown Kowloon, here, half a mile from the base. 3 Chalks will rappel drop into a hot LZ, while Chalk 4 provides support from the Fireflies. You are Chalk leader for Unit 2. Proceed to a penetration point here on the east side of the base while Chalk 1 and 3 conduct a flanking fire. Once inside, initiate sweep and clear. Suppression of enemy air defenses in the form of 4 rail cannons is your key goal. The transports leave Hong Kong with or without us at 2100 hours, so time is a factor. General Yan Lo will not wait long to attack us again. Il y a un bel air de piano. Alors, il... So then, lieutenant, are you well enough to perform your duties? I'm willing to bet my life on it. So am I, lieutenant. Dismissed. Second lieutenant, Ethan Something wrong, Lieutenant? I'm fine. Reflex boost. A pour cycle augmentation, blablabla, alt to activate. Oui, ben on verra si je suis dans la mise et si j'en ai besoin. Looks like we're moving out, sir. Oups. Alarme! Oh la vache, c'est d'un rouge vif. C'est pour moi ça? Ah oui. Alors, il faudra que j'aille à mon point d'insertion et que je...
Alors, il va falloir que je fasse péter 4 unités anti-aériennes chez l'ennemi, sûrement ce qu'on appelle des DCA en gros, pour qu'on puisse reprendre contrôle d'un territoire à Hong Kong. Il faut que je fasse sauter toute l'installation anti-aérienne ennemie, quoi. Oui, bah, sauvegardons dans la joie et la bonne humeur. Oh. Ah, ok. J'aime bien, hein. Hey, Sarge! Why does the city look so ramshackle all of a sudden? Natives got restless and were rioting all night. Loyalists were duking it out with Republic soldiers. Worst of it's over. Mostly we got all the C'est bon. Oh la vache, attends, je vais me baisser un peu là. Non, c'est pas la bonne arme. Mais pourquoi? Pourquoi l'arme a-t-elle changé? Oh oh. Oh. Quick. Je suis mouru. Bon, on va la refaire. Merde, c'est pas ça, je voulais zoomer. Oh la vache! Waouh, mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais il est fou! Ouais, ouais, je peux aller sur le côté? Oh la vache, oui! Ouais, c'est pas mal comme immersion! Attends, attends, je vais peut-être nettoyer les bâtiments d'abord. Ah, c'est pas mal, ça me plaît bien. Oh, et il y a moyen de faire de l'exploration sans déconner. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Attendez voir, il y a du matos qui va me plaire là. Hop là. Alors, quoi? Oh, fusil à pépon. C'est bon ça? Alors que mes copains sont en train de se faire massacrer. Moi je suis en train de faire mes emplettes. C'est horrible. Attendez, j'ai quoi comme. Oh, mais c'est cool ça comme flingue. Oh là là. Mais y a pas de trousse de soins là? Parce que j'ai déjà morflé. Hein. Attendez, je vais monter à l'étage. Merde, homme. Faut sa pharmacie, vous avez ou pas? Non, y a pas. Oh. Ah, si. Merci. Je sens déjà mieux. Alors. Attendez, ils sont où les vilains? Ah, là-bas. Oh,
Apparemment, il a bougé ses fesses, l'autre. Ah oui, d'accord. Je crois que le jeu a crash. Oh oh! Mais figé, figé, quoi. Oh merde! Oh! Bah s'il est bugué, c'est dommage. Attendez. Ah oui, il a crash bien, bien méchamment. Pourtant, il est pas mal. Il y a une richesse dans le gameplay. Attendez, on y retourne. Je sais pas comment vous trouvez, mais la narration est pas mauvaise. Hein. Ok. Attends, qu'il me recharge la partie, merci. Voilà, j'étais à Ambush. L'embuscade, en fait, hein, littéralement. Ah, je recommence, là. Oh. Vous êtes des vilains. Hop là. Ça marche pas. Non mais je vais aller dans le bâtiment là. Merdome. Attendez, non, c'était dans l'escalier. Ah non, attends, c'était où? Allez, j'ai un... Ah, c'était là. Oh putain la vache. C'était violent. Oh. Wouhou. Loustique qui est revenu au... Oh là là... Bordel. Mais le pire, c'est qu'avec mon angle de tir, je m'en sors bien, quoi. Bon, apparemment, on reprend du terrain. Bon, bah, je vais descendre de là, moi. Ok. Là, j'ai de la vie. Alors, il y avait du matos, je sais plus où. Au moment, j'avais un fusil à pépon. Ok, ouais, les grenades standard. Il était pas là le fusil à pépon. J'avais des munitions mais j'avais pas le flingue. Merdou. Où était-ce? Je ne sais plus. Je suis perdu. Et B. C'était pas à l'étage supérieur. Ah, c'était peut-être ça. Non, c'était pas ça. Ok, bon, la guerre, ouais. Allez, Zou, je bouge mes fesses. On va pas aller dans la santé. Alors, il y a des villes en haut. Ah.
que j'apprenne à mieux gérer la recharge. À me porter préjudice. Soldier of Fortune, c'est le jeu dont je voulais vous parler tout à l'heure. Ça me fait penser un peu à Soldier of Fortune. Le soldat de fortune qui est certes violent parce que vous avez des démembrements des ennemis, mais niveau action il était intense. Bah, en fait, si tu veux SDR, il faut prendre le temps de prendre l'information sur le champ de bataille, en fait. C'est terrible, mais... Oh là là... Wouh ! Chaud. Merde, j'ai plus de munitions, je peux plus recharger. Oh, ça craint. Ravitaillement munitions, les gars. What? Oh non. Oh non. Le char de son, je cours. Ah. Tout compte fait, je me sens mieux. Merde. Et le pot de terre contre le pot de fer là. Pas déconner. Waouh. Ah non, je recommence tout. Oh, oh là là. Et si les faces sont trop longues. Il est nôtre. Il est en PLS, 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 comme les autres. C'est ça. C'est exactement ça. T'as tout compris, SDR. Ah mais punaise. Si les phases de sauvegarde sont trop lointaines, ça va être chiant. Parce que je vais recommencer 10 000 fois. Oh la vache. Attendez, je vais monter dans le... Hop, on va tirer avec là le fusil à coton. Alors... Alors, voilà. Bon, eh ben, ça va. Alors, on recommence. Parce que sans déconner, il faut pas négliger les munitions. Hein. Ça descend vite au niveau des stocks. Oh là 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 là, c'est délire. Frag boom, merci. Oui, frag grenade. C'est vrai que j'avoue, j'ai pas fait usage de la grenade de fragmentation. Là, ça c'est bon. Blam blam blam, donc normalement le reste j'ai. Ah, ça confisqué à l'ennemi. Ah, un peu de vie. Ouh, ah, et je suis pas allé dans le bâtiment là, moi. Attendez voir. Ouais, il y a des grenades en cadeau. Et j'ai une vue sympa. Et d'accord, on n'est pas trahi par je sais pas qui. Bon bah attendez, gigot. Ça provoque le char d'assaut à la noix. Bon, je progresse un peu plus vite. C'est déjà mieux. Tac tac tac, ok, le lance-roquette va bien m'aider contre le char d'assaut. Alors. Si je retrouve le lance-roquette, merci. Oh vache. Oh vache, il fait mal lui. Voilà. On en parle plus. Une bonne chose de fait. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
vache. Et ça, je peux... Ah ouais. Ah, j'ai peut-être un avantage stratégique à être là, moi. Guerrier au-dessus. Non. What? Je suis où? Oh. Nano boost. D'accord. Ok. Ah, un poster. Poster d'une petite chinoise avec ses petits petons. Elle est assise et elle déguste peut-être du thé. Je ne sais pas. Digue, digue, ding, 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 ding. Des munitions. Mon dieu, là où le char a explosé. Tout ça, réquisition, c'est pour moi. Oui, des roquettes. Ça s'enfuse pas. Et ça, ça m'est utile ou pas? Non. Ça m'est pas utile. Ah, ah, ah. Est-ce que je peux aller là? Oui. Oh, trop bien. Y a rien sous l'escalier? Y a rien. Attendez, 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 attendez. Je prends le temps de m'en mettre plein les fouilles. Oh la vache. Attendez. Il y a plein plein de matos là apparemment. Ok, ça c'est un truc que j'ai déjà parce qu'il a refusé de le ramasser. Non mais c'est sans fin là, la carte elle est énorme. Là il n'y a rien. Là il y a encore du matos. Où est-ce que je suis? Ok. C'est verrouillé. J'ai pas le droit d'aller là. Quoi? Ah, est ou... Attendez. Ah. Ça peut être pas mal, ça. Et si je fais ça? Non, sans plus. Je pensais m'en servir pour... mais non. C'est pas... Je peux pas... forcément faire un projectile. Là, j'ai plus des trucs, j'ai même pas compris. Oh merde. C'est mes copains. Ok, ils ont sécurisé le quartier. Le feu doit être cassé. Ah, ils mettent le rouge en bas, eux. Ok, bienvenue en Chine. Ah ouais, le rouge est en bas en Chine, apparemment. J'ai jamais fait attention. Ok. Oh là là, c'est beau que ça. Bon, j'aimerais sauvegarder, là, j'ai un peu peur. Ah. Mais non, pas flashbang. Ouais, bon, bref. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas un truc de sauvegarde, là? Parce que la scène d'action, j'aimerais pas la rejouer. Il n'y avait pas une porte avec le logo sauvegarde? J'ai vraiment peur de recommencer et de mourir comme un caca, en fait. Mais non, sans déconner, il y avait... Il n'y avait pas de point de sauvegarde. Oh... Bon, bah on avance. Hop, hop, hop. J'ai vu des roquettes là. Mais... Boum. Mais pourquoi mon arme elle change alors que je veux pas? Il y a un truc qui m'échappe là. Ou petit pistolet, mais j'aimerais garder mon truc. Attends, moi je vais prendre le risque de rester sur la route. Quitte à me faire écraser par un char d'assaut. Oh la vache, je l'ai vu arriver dans ma tronche.
Ah, les tirs en pleine tête, ça pardonne pas. Mais à quoi il joue, lui? Il est mort. Mais il est fou, lui. Le gars est mort, faut qu'il arrête. Ah. Ah, attendez. La caisse, elle est pour moi. Récompense. Ouais, ok. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui! Sauvegarde. Oh, génial. Oh, ça fait plaisir. Oui! On progresse. Oh là là, je me sens mieux. Oula, c'est quoi ça? J'ai vu un truc bizarre. Oh vache! Oula! Mon petit flingue, ça se gère aussi. Tranquille, j'ai l'impression d'être James Bond. Ta tête. Je vais dans les pattes. Vache, c'est pas évident. C'est pas évident. Oh la vache, c'est le salopard. Il me tire à la roquette, l'autre. Ah la vache, ils m'ont zigouillé. Oh. Bon, c'est pas la bonne approche. Ah oh. Mais c'est terrible ça. Lance-roquette quand même, ça va un peu fort. Mais il est bien ce flingue là. Pourquoi je peux pas le garder? Ce serait bien. Wow, il y a des mines partout. Alors, tranquillement, posément, je dégomme les vilains. Merde, j'ai loupé mon tir à la grenade, moi. Ah merde, j'arrive pas à tirer sur le balcon. Oh, puis je me la renvoie dans la tronche. Merde, con. J'ai tiré sur mon propre mur. Ah, je suis à découvert. Mais non. Bon, alors, j'ai un gros problème. J'ai plus de santé. Je suis dans la mouise. Ah, quel idiot, j'ai tiré une grenade et j'ai fait sauter le mur devant moi qui me protégeait, quoi. Non, ça, c'est la salle de sauvegarde.
Bah, je vais revenir en arrière, j'en ai rien à péter. Je vais vraiment me la jouer stratégie et je vais prendre le temps de faire la récolte du matos. Après tout, rien ne me l'interdit. Hein. J'ai pas un mur invisible qui me bloque et puis basta arme quoi. Ah, bah voilà. Là, je me sens mieux. On y retourne. Ah, grenade à fragmentation, flashbang. D'accord. Ah, c'est l'option de... Ok. D'accord. Faut vraiment que je prenne le temps de me familiariser avec l'interface. C'est pas mal fichu. Oui, mais attends, je peux la manipuler, là? Oui, ouais. Rien ne m'interdit de sauvegarder une nouvelle fois d'ailleurs. Après tout ce bazar. Alors. Bah tiens, je vais me gêner. Au moins ce sera ça à part faire. Alors. Ok. Il n'y a pas un... Oh si, il y a. Il y a un escalier. Oh, ils sont chiants. Attendez. Où est-ce qu'il tire? Lieutenant, your vision arcs can pinpoint enemies even through walls. Give it a spin. Ah, il détale comme des lapins. Vache. Autant faire sauter les mines. Bon, apparemment ça s'est calmé. Attendez, comment je vous... Voilà, j'ai cherché à me désolidariser de cet engin de mort. Alors, fouillons un peu les lieux. Oh. Eh, vous avez reconnu les nanoprismes de... j'allais dire de Resident Evil. De Deus Ex. Là, c'était flagrant. On voit que à la base, c'était parti pour un bon Deus Ex. Increase maximum machin, blablabla. Ouais. C'est quoi ça? Non. Trop fort. J'ai fait un appel à la frappe aérienne. Quoi, il y en a encore? Ah non, c'est nous qui prenons possession du quartier. Je préfère ça. Bah attendez, moi je vais faire mes emplettes, moi. J'aime bien faire mes emplettes. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je vais mettre plein les fouilles. Elles sont où les munitions? Oh non, ça c'est bon, je suis en pleine santé. Une fois n'est pas coutume, des roquettes. Tac, 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 les flingues. Ouais, bon, là, je peux pas y aller. Oh merde! Allez, boum. Deux pour le président. Y a rien sous le... Je me méfie. Sous les escaliers, je me méfie toujours. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu.
Oh, lance-roquette. C'est bon, ça. C'est quoi, ça? Usage d'un ordi. Comment ça? Ah. Ok. J'ai ouvert un accès. Intéressant. D'accord. Oh merde! Il y a un char d'assaut. Oh non! Ils m'ont foutu un char d'assaut. Ils sont tous les ronds sur l'enquête là. Attendez. Oula, il veut tirer sur moi lui. Ouh. Oups. Oh non! Non, merde. Il a réussi à me dégommer. Oh, fais la poule. Voilà. Bon, moi, c'est réaliste. Ça prend en compte les ondes de choc. Merde, homme. J'avoue, j'ai été mauvais. C'est pour moi, c'est mon joujou. Donne-moi mon joujou. Non, il n'y en a pas d'autre. Allez, je peux te péter tout ça. Hop là. Non, il n'y a plus rien. Bon, bah je les ai quick. Mais... Oh merde, il en reste une. Oh, j'arrive même pas à la viser là. Où... Merde, elle pète pas. Bon bah tant pis. Oh, j'ai moins bien fait le ménage que précédemment. Attention. Attention, attention. Il y avait du matos là. Mais oui, il y avait du matos. Rendez-vous, bande de sagouins. Bon, va y avoir le satané char d'assaut qui va arriver. Je sais pas trop comment je vais pouvoir le gérer. Alors, hop, oui, bon, bah, j'ouvre la porte. D'accord. Et là. Faut pas perdre de temps. Voilà. J'ai pas perdu de temps. Ouh. Merde, je l'ai loupé alors que je l'avais en ligne de mire. Dommage. Non, puis là je peux pas sauter, il y a des mines. Hop là. Où qu'il est, le salopard. Hop hop hop. Il y a plus de monde que je ne pensais. Eh ben. Attendez, faut que je renettoie la zone. Ouais, copain. Vache. D'accord. Est-ce que je peux revenir sauvegarder ma progression?
J'apprécierais sans déconner. Alors rien à péter, j'abuse, mais je retourne sauvegarder. Parce que au moins ce sera ça de pas se recoltiner. Allez hop. Bingo. Et voilà. Wouh! Ah bah. Allez, sauvegardons gaiement. Oh la vache. Mais oui, c'est chaud de recommencer. C'est ça, c'est vrai. Allons bon. Move out, move. Move it. I like to move it. Ding 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 ding. Il y a du truc qui est dans ta gauche, non? Alors, je monte à l'étage. Kizako. Ah, ma santé est augmentée. Sympa. Mais du coup, je piche plus là. Comment je peux les aider? C'est rigolo vu comme ça. Piu piu piu, comme dirait une scène. J'ai l'impression qu'ils arrivent en unité là. Bizarre. Attendez. Tiens, oui, si je passe par les toits. Oups, non, ok. Tayo, Tayo. Non, c'est des suicides. Attendez. Moi, à mon avis, il faut que je me barre. Non. Je passe par là? Non, je peux pas passer par là. D'accord. There you are. Let me real cat pounding the hell out of a transport craft. I should have been at reach point now. Try to rig it open. Looks like we've got another wave coming. Do your duty. Another attack! Okay. Take up positions at the windows and hold them off! We gotta buy Pitney some time. Sometimes when I free my mind, what I need to do. Yeah, yeah. M'en fous, je suis fou, je suis sur le champ de bataille. Oulala. C'est pas de bon flingue, on me dit quand tu me gardes. Eh bah ça défouraille, tout va par ici. Merde, homme, faut que je retourne sur l'autre fenêtre. Oh bah bouge. Lieutenant, stop wasting time. Pitney's waiting for you at the access hatch. Marking radar now. Ouais, ouvre-moi. Press F to turn objective back on and off.
Merde. Merde, mais j'ai plus de munitions. Alors, ma santé avant tout. Ah, c'est beau que son. Bon, très bien. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Bon, ils sont calmés apparemment. Je dis bien apparemment. Et du coup, la porte elle se déverrouille ou je suis obligé de sauter par l'étage supérieur? Oh là là, c'est merdier. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, faut vraiment gérer minutieusement SDR, ouais. C'est équilibré, faut l'admettre. You're supposed to be the latest and the greatest and you don't even have ballistic shielding? Come here. Hold still. They did the same thing to me. There's this dip switch they forgot to. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? There you go. Ballistic shielding. Watch this. Didn't get hurt there, did you? Ok. Alors. Putain. Alors. La prochaine session de jeu, il faut vraiment que je paramètre mes touches, que ce soit instinctif. Parce qu'on voit qu'on va monter crescendo dans le défouraillage en joie, là. Et il faudra vraiment qu'instinctivement, je maîtrise mon système anti-balles, quoi. Ensuite, tab... Enfin, ou tab pour activer machin. Oh la vache. Bon, il me faut des munitions, comme tu disais, SDR. Sauf que là, j'ai que de la santé. Alors, je m'en plaindrai pas, mais... Il me faut des munitions, là. You, logistique, il est où la pluie logistique? Il me faut des munitions, les copains. Donnez-moi tout ce que vous avez. Oh, une salle de sauvegarde, c'est bon, ça. Oui, oui, oui. Munitions. Voilà, un peu d'air, s'il vous plaît. J'ouvre la fenêtre à ma manière. Oh la vache! C'est la guerre! That's where to move out. Out, 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 out. Oh mon dieu! C'est un vilain. Vilain. Oh merde. Pan dans la tête. Bien fait, pousse à gueule. Comment je l'ai eu de manière belle feinte. Et là, ninja, je suis là. Non. Oh. Oh oh. Je la sens pas la cinématique. Oh merde. C'est sûr que les grenades, c'est pas top, parce que je suis devenu un robot, donc les grenades électromagnétiques, ça craint du boudin. Bon, sympa l'avertissement. Oh, cool. Cool, cool, cool. J'en ai déjà tout plein, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Oula, Ico, comment dérater lui? Is your body rejecting the arcs? Okay. I'm ordering an evac. Not necessary, sir. The lieutenant's fine. You got hit by an EMP grenade, didn't you?
Electromagnetic pulse. Knocked out all your enhancements and filled your HUD with static, right? Regarde-moi dans les yeux. Boy, you got snowblind. Snowblind? I didn't know that was possible. Tried hacking that comm panel, but it's a no-go. Lieutenant's gonna take a swing if he's feeling up to it. Please, Lieutenant. I'm eager to see the latest in technology. Nathan, the panel's right over here on the wall. Someone else has hacked into the system. Running a trace route. Oh, le flou. Vous abusez du flou, les gars. C'est Gerbotron, là. Arrêtez. Should we go with him, Sergeant Major? Why bother? The writing's on the wall, son. Oh merde, le comité d'accueil. Oh la vache. Coucou, j'ai des grenades pour vous. Enfin, si j'arrive à les tirer. Oh vache. Oh. Ah, le casque va voler. Trop bien. J'ai adoré le... Voilà. Salopard. Il est parti se planquer. Ah, c'est génial le degré de liberté. Ah, je suis contente de pouvoir revenir ici. Oh merde. Faut pas que je fasse mon idiot, moi. C'est la guerre. Donne-moi ça, toi. Ah, je me fais allumer. Au secours, maman, j'ai peur. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Oh oh. What? Attendez. Oui, c'était là où je devais prendre l'assaut, je crois, non? Elle est où la porte du Schmilbic? Là, ils sont barricadés, les salopards. Il y a une porte, non? Ah non. Ah, il faudrait peut-être que je passe par l'étage du dessus, en fait. Hop là. Attendez voir. Ok, j'ai compris. Salopard. Merde, il y en a un autre. Ouais, c'est mon nom, mais ça n'a pas suffi, mon truc. Et il faut pas avancer bourre, hein. Vache. Chaque balle compte. Bon, je l'ai eu, lui, enfin. Personne au pistolet mitrailleur. Attendez, je vais essayer de prendre leur position. Oui, bah au pire, je prends l'augmentation effectivement bouclier, ouais. Si ça tombe vraiment mal. Attendez. Oh oh oh. J'entends des bruits de pas. Il y a un mec qui fait une ronde en bas là ou quoi? Attendez. Mais non, mais c'est là où j'ai fait le ménage. Il n'y a plus personne. Ah si, merde. Ah oui, c'est pas comme s'il y avait un interrupteur. Tout va bien. Oh, des boissons. C'est quoi les boissons? Il y a du you. Qui veut boire du you? Oh là là, il y a du Lucas. La boisson de George Lucas. Il y a du Ken. Il y a peut-être du Barbie aussi. Il y a du Grim. Ah, cette imagination. Ah, pas mal. La canette avec les trois pommes vertes. Au moins, on sait ce qu'on boit. Du moins, théoriquement. Oh la vache. Et ça, c'est quoi? C'est des sacs de pommes de terre ou de farine? Je sais pas ce que c'est. C'est du Yum. Voilà. Ce jeu est sponsorisé par la boisson Yum.
Bon bref, j'arrête de faire l'idiot. Alors. Good job, Nate. But we've pinpointed a second hacker. Check your radar. Oh, il y a un second pirate. Bah oui, c'est tellement marrant d'en mettre un autre. Aïe 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 aïe. Moi, je veux sauvegarder ma progression, les gens. Sniff. Je m'en fous, je vais revenir sur mon lieu de sauvegarde. Déjà, je vérifie que j'ai vraiment pas loupé de matos. Oh merde! D'où il sort, lui? Mais merde, ils viennent du dessus. Oh, je suis dans la mouise. Oh merde. Oh, ça craint du boudin. Alors vite, ma santé, elle est où? Elle est là. Chiotoum. Oh les salopards. Oh non, des snipers maintenant. Mais non, mais non, mais non. Ah, il faut que je fasse le sniper. Oh. Ah oui. C'est bon ça. Oh la vache. Il tire loin le snipe. Trop bien. Ok. Mais j'aimerais sauvegarder moi. Laissez-moi sauvegarder. Je veux pas recommencer tout ce merdier. Bah c'est pas là qu'il faut que j'aille moi. Si hein. Non. Attendez. Je ne comprends plus. Apparemment non. Oui, non, il y a l'autre aussi qui pirate le... Oui, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'il y avait un deuxième pirate, c'est vrai. Comment je faisais pour sauvegarder? Je me souviens plus de ma position de la salle de sauvegarde précédente, elle était où? Ouais, je veux sauvegarder. J'ai peur de crever comme un caca. Non, au secours. Ah. Crotum. Là, là, là. J'ai par là-bas apparemment. Ouais non bah attends, je descends dans le. Hop là. Oh merde. La guerre. C'est la giga ultra guerre. Oh, merci de m'avoir foutu une balle dans le fond. Oh. Bah, c'est de la santé, donc je sais plus, mais c'est pas ça que je cherchais. Mais... Merde, c'est pas la bonne arme, je vais me faire buter. Je vais. Ah, salaud, il m'a mis une grenade. Mais ils sont partout, je suis dans la mouise. Au secours. Non, je vais mourir. Au secours, santé, merci. Ouais, c'est vrai que je fais pas vraiment usage des grenades, mais bon. Ah merde, Doom. Oh, j'ai bouffé toute ma santé moi comme un couillon. Excusez-moi du peu. Oh là là. Vache, il est déjà là. Et là au-dessus, j'ai quoi? J'ai quelque chose ou j'ai rien? Yep. Ah, ça c'est cool. Ah bah voilà. C'est là que je sauvegardais.
Bah tu m'étonnes que je veux me sentir mieux après avoir sauvegardé ma progression. Voilà. Allez go, c'est où? Qu'est-ce qui se passe? Oula, je suis pas au bon endroit. Merde. Oh, ils sont déjà là. Oh la vache. T'arrives-y. Excusez-moi. Oh la vache, les munitions. Ah oh, ça vaut le coup. Merde, je me fais tirer dessus. Qui c'est qui me canarde? J'ai pas compris. Ah eux. Attendez. Ah, faut que je me rassieds mieux. Oh oui, les MP grenades, merci. Voilà, tout ce que je peux prendre, je prends. Oh là, oh là là. C'est l'heure de la récompense. Ok, donc je suis au taquet. D'accord. Voilà. Nice work. Now we can. Incoming! Everybody off that street! Nate, stay inside! Évidemment, Benny est de là. Tellement plus drôle. Wow! Roquette. Apparemment on l'a eu. Je dis bien apparemment. Oh là là, monsieur joue de fou. Non, c'est pas le bon flingue. Oh merde. Oh, je sais pas ce qu'il tirait mais c'était impressionnant. Voilà, il est mort. Bon, ça fait un mignon en moins. Merde homme. Oh, ce tir à la noix. Plus de grenades. Au moment où je voulais faire mumuse avec, j'ai plus rien du tout là, j'ai envie de dire. Mais j'ai plus de munitions du tout. Putain, mais c'est l'enfer. Attends, j'ai envie de voir mes copains. Oh là là. Ah! Qu'est-ce qu'ils viennent faire là eux? Oh là là.
Oh le boxon. Oh oh. C'est pas un copain lui. Good to see you again, man. Ok, faut se barrer par là donc ok. Mais oh, cette interface à la noix. Bon allez go. Go, we can handle this. Oh lolo. Non, moi d'abord. C'est moi le soda augmenté. Barrez-vous. Oh oui, je sauvegardais. Eh, vous savez quoi? Bonjour Chris, j'espère que tu vas bien. Je vais arrêter là, on va passer à Minecraft, hein, parce que... De faire piou piou piou, pam pam pam, boum boum boum. Au bout de 2 heures, ça saoule. On regarde la cinématique et j'arrête là. J'en peux plus. Ouais, un petit café, un petit réveil en douceur, mon cher Chris. Ouais. Ça, t'as tout compris, Shinsen. Bah, de temps en temps, je dis pas, c'est sympa, hein. Et on voit effectivement qu'à la base, ils avaient fait les prismes d'augmentation pour Deus Ex, on l'a vu très clairement. Mais de temps en temps, là, la longue a fini par être usant. Bon, attendez. Minute papillon, que je fasse mes réglages. Oh là là, j'ai les écrans qui sautent, c'est une horreur. Ah, bah attends, le jeu a pas voulu quitter complètement. On y croit. Je vous avais gagné le droit de voir ma tronche. Alors, je reprends mes repères. On va se mettre de la musique déjà. Allez go. Sunset Coconuts. Ah, une de mes plus belles compos. Appelle les îles. Je suis déception. C'est rigolo d'avoir une citation au hasard sur ce plan là. C'est vraiment marrant. Alors, je lui ai déclaré que je vais faire du Minecraft et puis il faudra que je le charge le Minecraft. Parce que je l'ai pas chargé le Minecraft. Attendez, le temps qu'il charge, je vais me déclarer un Minecraft. Et puis là, on va être en 100% relaxation, peinard, pépouze. Ça va très bien. Tout à tout dit. Alors, comment que je me déclare en Minecraft, moi, s'il vous plaît, messieurs, dames? Eh oui. Maintenant, c'est Minecraft jusqu'à la fin de la journée. Na. On est un dimanche tranquillou. Pouk. Voilà, zou. Je joue à Minecraft, moi, monsieur. Jouer. Pouk. Alors, il me prépare mon jeu. La 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 la. Je sais plus comment je procédais au niveau de la capture. Moi, je vais bien. Merci, mon cher Chris. Je vais bien, je vais bien. Je vais changer le titre de mon direct et préciser que maintenant on est sous Minecraft. Je précise Java Edition. Je vais peut-être le mettre entre crochets. Java Edition. Voilà, ça veut tout dire. Ouais, ça présente bien. Pourquoi j'ai mis un S, moi? Bah... Oh, c'est une coquille. Pardon, c'est une faute de saisie. Il n'y a pas de S. Voilà. Préparation en cours. Ouais, ok. Comment fais-je? Est-ce que je peux vous montrer? Ça fait un peu idiot comme ça. Bon, en attendant, vous voyez que le jeu charge. Je me relaxe à nouveau, on va dire. Donc, si vous souhaitez évidemment exprimer dans le chat quel est votre ressenti par rapport à Projet Snowbound, moi, jouer, honnêtement, je le trouve bien.
Il faut juste faire gaffe à pas finir dans la confusion avec toutes les options et les touches. Mais je trouve que le jeu est bien pensé. Et... mais c'est vraiment de l'intense, enfin du FPS. Ça défoule. Mais de temps en temps, on continuera l'histoire. Vous voyez, c'est le genre de jeu, à mon avis, que je vais qualifier de bouche-trou. Quand on a une demi-heure, entre guillemets, à perdre au niveau du temps d'antenne, on va du point de sauvegarde A au point de sauvegarde B, et puis basta, quoi. Ouais, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Le projet Snowblind. Voilà, voilà. Ah. Pardon. Ah oui, j'ai besoin de m'étirer là. D'ailleurs, je vais me rasseoir convenablement. Essayer de pas faire gicler mon clavier comme tout à l'heure. En foutant un généreux coup de pied au câble qui a eu un résultat catastrophique. Alors Portal 2, c'est marrant, j'ai regardé ce matin une scène et j'ai remarqué que je l'avais pas téléchargé en plus. Donc, mais tu sais que je serais tenté de recommencer le 1 de Portal, une scène, avant de m'attaquer au 2. Parce que le 1, je l'avais fini, mais il y a très longtemps, je crois carrément à l'époque où il était sorti. Alors ça compte en année, quoi. Ah, t'es encore dans le plumard, Chris? Ah bah ça va, tranquillou. Pas comme si on était un dimanche au milieu de tes vacances. Ça qui est beau. Oh, le jeu a cessé de fonctionner. Ah, attendez, j'ai peut-être trop de trucs en mémoire simultanément. Attendez voir. Je vais vous remettre ma tronche. Vache, je suis tellement assis proche qu'on voit plus mon visage au complet. Alors attendez. Fermer Opéra, déjà je vais gagner de la mémoire. Oh, je pense pas qu'il faille fermer Steam, ça bouffe pas tant de ressources que ça. Fermer le coup du tableau mystère, je vais peut-être quitter LibreOffice. LibreOffice peut être gourmand en ressources. Ça, je peux peut-être fermer. Attendez, je vérifie au niveau de toutes les applications que j'ai lancées. Normalement, j'ai pas le... comment ça s'appelle ? Le Discord. Je viens de vérifier. Donc, je vais essayer de relancer Minecraft. J'étais déjà parvenu à le diffuser Minecraft précédemment. Stalker, oui, c'est par rapport à l'incident de Tchernobyl. Je l'avais brièvement testé par le passé. C'est vrai qu'il est vachement bien, mais il est long en fait. C'est un truc, sans déconner, ça va durer, mais alors plusieurs week-ends d'affilée quoi. Mais il est bien, ouais. Stalker, ouais, je reconnais que le peu que j'ai goûté, j'avais apprécié. Et c'est vrai que l'ambiance, je me souviens, elle était glauque. Elle était bien posée quoi. Pareil, il y a Half-Life que je vais pas tarder à refaire, ça fera plaisir à l'ami FunFan. Stalker, faut le voir comme un FPS, ouais. Mais la gestion en fait de ton matos, c'est des munitions et balèze. Enfin, je me souviens que c'était poussé. Pour voir les marchands en ville et négocier du matériel, c'était pas facile. Le jeu est exigeant. Entre temps, il y a peut-être eu des mises à jour, je sais pas, je pourrais pas dire. Bon, bah j'espère que Minecraft va accepter de se lancer. Attention, c'est le moment de vérité. Ah.
Allez, Minecraft, lance-toi, s'il te plaît. Tiens, je sais même plus, je faisais une analyse antivirale, je l'ai stoppée ou elle continue, là? Ah, elle continue. Attendez, je vais peut-être faire pause. C'est vrai que mon analyse antivirale va peut-être pas aider à... Attention, c'est la phase critique. Allez, crache pas. Allez, Minecraft. Parce que là, s'il crache, je suis bien embêté. C'est-à-dire que je sais pas quoi vous faire. Oula. Pourquoi il me le met en plein écran? Généralement, je joue en mode fenêtré. Ah mais non, mais c'est pas beau, là, dans la... Ça va pas dans la résolution, là. Attendez. Alors, c'est bien, ça se lance. Mais pour vous, ça va pas, le... Je vais faire... Attendez, je vais faire un réglage propre. J'ai envie de dire, la logique voudrait que je fasse comme ça. Ou alors... Attendez, je change d'écran. Je fais ça comme ça. Pardon. Le temps de faire ma cuisine. Si je puis dire. Le chat, je vais le mettre bien sur le côté, histoire que je puisse vous lire. Encore que c'est pas facile. Ouais, non, c'est mission impossible, en fait. Je peux pas... Alors, comment dire? Capture d'écran, deuxième écran. Voilà, c'est déjà mieux. Maintenant, il va falloir que je zoome. Capture d'écran, capture de jeu d'ailleurs, et oh. Mais oui, mais quel niveau je fais? C'est déjà beaucoup mieux comme ça. Attendez voir. Attendez, mais comment il fait la capture d'écran lui? Pourquoi vous avez pas le truc en bien large? Trop bizarre. Attendez, j'essaye de... De bien centrer l'image. Là, normalement, ce que vous avez, c'est bien. Tac, tac, tac. Ouais, ça m'a l'air d'être cool, là. Ouais, puis je vous lis en même temps. Bon, ça a l'air d'aller. Ok. J'en étais où dans ma partie, moi? Oh, attendez, il commence à faire nuit. Oula, ça a l'air de ramer. Oula, je suis pas à 30 images secondes, là. J'ai pas l'impression. Je suis en train de mettre en PLS l'ordi. Attendez. Je... passer la nuit dans le jeu. Waouh, j'ai l'impression d'incarner un perso drogué pâteux. Ça avance pas super vite. Je suis pas sûr d'avoir 30 images secondes. Ce qui me met un peu en stress, c'est que j'ai plus mon contrôle de... Attendez, mais j'ai mal centré mon bazar, moi. Je peaufine en direct, hein, excusez-moi. Voilà. Là déjà, je crois que c'est plus propre. Ouais, c'est déjà plus propre. Tac, tac, tac. Oh, je vais mettre le chat comme ça parce que sinon j'arriverai pas à vous lire. Ça va être une hérésie pour moi. Ah. Faudrait presque que je fasse une promenade à cheval pour voir. La vitesse, la fréquence. Attendez. Surtout que je fasse gaffe parce qu'il n'y a pas d'ennemis. On va faire une petite promenade à cheval, tiens. Je vais tester au niveau de la fluidité. Oui, ça a l'air d'être mou. Oh, il y a une sorcière en bas. Je vais rester sur le pont. C'est correct, hein. Mais j'ai l'impression que vous avez plus 20 images secondes que 30. Je sais pas si vous avez le même effet.
Là, je suis en train de mettre en PLS mon ordi. Il est dans ses derniers retranchements de capacité de calcul. C'est juste, juste. Et B. Boum, 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 boum. On va aller jusqu'au grand entrepôt du point de départ, en fait. Là où j'ai commencé à apparaître dans le monde. Ma toute première partie sur cette carte. Allez, allez. Bon, bah voilà. On est relax, peinard, pépouze. Là, vous pensez bien que Minecraft, je vais être totalement réceptif à ce que vous écrivez dans le chat. Donc, si vous voulez parler de tout et de rien, n'hésitez pas. Bon, excepté les sujets polémiques comme la politique, évidemment. Vous l'aurez compris, merci. Ah, c'est vrai que j'ai un chat ici, Giroudoudou. Giroudoudou. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez, la pierre, je vais la ranger dans le... Oh, c'est le cheval de qui, ça? C'est pas le cheval du cousin, par hasard? Je m'en souvenais plus. Oui, et puis il y a lui qui est pas encore équipé, ouais, qui est à l'état sauvage. Qui a pas de nom non plus. Bon. Ok. Ah! Silent Hill Downpour est une daube? Ah ouais. Tu me diras, j'en ai pas entendu spécialement parler de l'opus là. Mais il est nul, nul, nul à ce point là. Mais il est nul à quel point, Chris? Jouabilité, scénario, qualité graphique, c'est quoi ses principaux défauts? Si tu acceptes de bien vouloir le décrire dans le chat, merci à toi. Il faudra que je regarde tes ralentis à l'occasion, Chris. Alors je dis ça pour pas mal de monde et il me faudrait presque une vie supplémentaire pour pouvoir voir les rediffusions de tout le monde. Mais je vais essayer de jeter un coup d'œil à tes rediffs à l'occasion, Chris. Attendez. Ah non, ça c'est des roches précieuses. Pff, la roche est pas à l'autre bout. Là de la roche, j'en ai pas mal quoi. Là c'est quoi, je sais pas. Bon bah. Je vais mettre les pierres là. Non, par contre, l'andésite poli, je vais la garder. Parce que pour les bords de chemin, c'est intéressant. J'ai d'une diligence. J'avais. Ah oui, j'ai du sable ici. La vache. Waouh. Si je veux faire du verre. Oh là là. J'ai une quantité infinitésimale de sable. Oh mon dieu. Et petit chariot de mine avec du sable pour changer. Oh. Oups, merde, je me tape le... Alors, je vais essayer de faire usage de mon cerveau. Surtout essayer de me rappeler ce que j'ai dans les coffres ici, parce que c'est des coffres pas spécialement triés. C'est quoi ça? Ah, c'est de l'algue séchée. Ah, je me souviens même plus qu'on pourrait faire des blocs avec des algues. Mais il faut que j'aille en monde aquatique là pour récolter les algues. Est-ce que celles se cultivent les algues dans Minecraft? Parce que c'est une nouveauté pour moi, les algues. On en voit d'ailleurs là-bas des algues à l'état naturel. Attendez, je vais prendre la loupe. Bon. Ah, il y a peut-être des endroits, ça vaut peut-être le coup. Faudrait que je fasse un test avec une algue. Essayer de la sectionner à sa... Enfin, pas à sa base. À mi-hauteur et voir si ça se régénère. Dans le temps. Parce que ça voudrait dire qu'on pourrait cultiver de l'algue. À creuser, sans déconner. À creuser, terre stérile... Dalle en ardoise polie, la classe. Alors j'ai pas d'idée, mais il y a de quoi faire. Alors attends, je te dis, Chris, scénario est brouillon, mais le pire c'est le sound design qui te met hors du jeu 99% du temps. Oh merde. Ouais, pour un jeu qui est censé faire flipper, c'est ballot.
Putain la vache. Wow. Oh des carottes, attendez, pour la bouffe, je vais en prendre des carottes. Je vais compléter les carottes que j'ai sur moi. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma piole? Parce que moi j'ai ma piole, il y a celle du cousin et il y a la mienne. Ma piole! Ah mon dieu! Ah puis c'est vrai, il y a une chasse au trésor aussi. Mais je sais pas à quoi correspond cet endroit. Carte au trésor enfouie là. Par rapport à la carte, je vois pas où c'est. Cette carte est vraiment un mystère. C'est un moment où j'avais fait une promenade en bateau. J'avais trouvé une épave qui était pas trop profonde. Et dans le coffre, j'avais trouvé une carte au trésor. Mais les lieux, ça ne dit rien par rapport à la carte. C'est quelque chose qui m'est pas familier. Alors attendez voir. Oh putain, j'ai une pioche en diamant. Trop bien. C'est précieux tout ce qui est en diamant. Au-dessus, j'ai quoi? C'est quoi ça? Mince, pardon, j'ai sélectionné dans des îles polies, moi. Ah, c'est de la laine blanche. Ah ouais, j'ai 4x64 de laine. Cool. Oh, je me souvenais pas de ça. Dac le dac. Il y a un endroit où j'ai des moutes-moutes, ouais. Je commence par avoir des idées de ce que je vais faire de ma journée de Minecraft, moi. Escalier. Ouais, ça c'est un salon intermédiaire avec encore une cheminée. Ah, le dessus du... de l'entrepôt. Je vais aller à la vigie. Allons à la vigie. Il y a des labrutis d'Enderman qui m'a foutu un bloc de terre à chez moi. T'es nul. La vigie. La vigie. Tuc, 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 tuc. Ah, la vue est imprenable. Youpi. On est sur le toit de la maison. Alors, les algues. Ouais, oh mince, pardon. Ça fait gerbotron quand je lâche le bouton de la souris. Ouais. Faudra que j'isole une... Tiens, c'est le phare que j'avais essayé de construire. Ouais, mais là, on voit rien dehors. Dans les escaliers, faut pas que j'y reste. Oh, le phare. Trop bien, le phare. D'ailleurs, j'avais pas mis une porte. Ou quelqu'un a défoncé les portes. Parce que là, ça fait brouillon pour le... Ça fait un peu délabré pour le phare. Ah, des citrouilles. Nous voyons des citrouilles. Ah, c'est la cabane de fortune qu'avait fait le cousin il y a bien longtemps. Et le pauvre, depuis, n'a jamais eu le temps de rejouer. Débordé par le boulot, malheureusement. Oui, c'est beau. C'est la lune. Alors, je te lis. Ah, t'as des phases, niveau maniabilité, c'est de la merde. Ok. Après, je dis ça, mais je suis un fan intégriste de la licence Silent Hill, terriblement déçu de Downpour. Après, peut-être que si on connaît pas la licence et qu'on commence par celui-ci, ça passe peut-être. Ouais, bah, je sais pas moi qui pourrais te dire, mais merci de ta critique, Chris. Donc, faut que je retienne que le Downpour, il est plutôt à fuir. Okidoki. Sachant que je suis pas spécialement friand de la saga Silent Hill. J'avais fait le 2 il y a longtemps dans mon coin. Je sais même pas si j'ai un ralenti et une rediffusion de ma partie de l'époque. Évidemment, si je la retrouve à l'occasion, je vous la balancerai de facto sur mon YouTube. Mais honnêtement, je crois pas. Bon, allez, je vais dormir dans un plumard. Et je vais aller à l'autre bout de la carte. Je vais aller à l'opposé, on va reprendre le cheval. On va se barrer, j'ai envie de dire, à l'opposé du continent sur lequel on se trouve. Parce que je minais là-bas et je construisais un, on va dire, en gros, un hôtel en bois qui faisait aussi réserve. Et je voulais en faire potentiellement un poulailler dans la cour intérieure. Enfin, ça va, quand vous allez voir l'édifice, vous allez comprendre.
vous allez comprendre. Bon, là, on va faire une longue promenade en cheval. Hop là. Allez, c'est parti. Ta galette, soin de soin. Alors, moi, j'ai hâte de voir le direct de Fun Fan tout à l'heure. À 13h, pardon, dans 90 minutes. Parce que. Il va faire son fameux Pong de 99. Qui est à la base un jeu de la PS1. Et qui va jouer à partir de sa PS3, je crois qu'il a dit. Et. En fait, à double terme, à double titre, ça m'intéresse. Déjà de voir l'émulation d'un jeu PS1 sur la PS3. Honnêtement, je savais même pas que ça se faisait. Et voir le fameux D-Pong de 99. Parce que tel qu'il l'avait décrit, qu'il l'avait vendu sur son antenne, ça me semblait vachement intéressant. Donc je regarderai ça avec plaisir. Tout en déjeunant et puis en continuant ma partie de Minecraft. Hors antenne, hein, je précise. Parce que Fun Fan, il va faire 13h-16h. Et que dire. Et moi, je reprendrai un petit peu de 16h à 18h. Vous me retrouverez pour papoter, là, comme ça, posé à Minecraft, comme on l'est maintenant. Merde, il y a de l'orage. Ah, c'est chiant. Qu'est-ce que je veux dire. Et 18h-20h, on ira chez l'ami Bambastos qui lui continue de découvrir le dernier opus de Pokémon. Donc graphiquement c'est discutable, mais d'un point de vue scénario il paraît qu'il est bien. Alors, bon allez, je vais me lever, faut que j'aille au magasin avant que ça ferme. Bon direct, bonne journée. Bah merci à toi aussi Chris, merci d'être passé. Des bisous tout plein Chris. Bon dimanche à toi aussi, merci. Et puis à bientôt sur ta chaîne, mon cher Chris. Enfin, toi, t'es vraiment en diffuseur de nuit en ce moment, pendant tes vacances. Il te reste encore une semaine de vacances, si je dis pas de bêtises. Et tu diffuses pas mal la nuit, du genre 22h, 2h du mat. Si je ne m'abuse. Bisous tout plein, merci à toi d'avoir été là. Je fais n'importe quoi dans les dunes avec mon cheval. Alors que normalement il n'y a aucune difficulté particulière, là je suis en train de me coltiner toutes les. Voilà, tous les trucs d'aplomb. On voit ma construction en bois au loin. Oui, merci, ok, tu valides mon propos, j'ai pas dit de bêtises. C'est bien, ça me rassure. Hop hop hop. Voilà, c'est mon chantier actuel. C'est la base est en pierre, taillée, toute propre. Et la partie supérieure est en bois. Et là ici j'aimerais bien faire un poulailler. Parce qu'on voit que c'est fermé, ça fait enclos. Wadi Walou. Tranquillou, pénard pépouze. Allez zou. Pouk. En plus on voit les glaciers au loin. Ça fait bizarre de se dire qu'on est sur une côte en plage sable fin. Et que là, c'est du froid au loin. D'ailleurs, on voit des ours polaires, regardez. Donc, il ne faut pas les approcher parce qu'ils sont naturellement agressifs. Ils défendent leur territoire. Et nous avons des ours polaires. Ouh. Et là, c'est quoi? C'est un peu de neige sur un iceberg. Est-ce que j'avais des trucs dans les fours, moi? Ah oui, j'avais de la roche qui m'attendait, dis donc. Ça se refuse pas. Non, là j'avais rien d'autre. J'en ai mis que 3. Ok. Bon. Pourquoi pas. Ah bah attends, je vais peut-être me faire de la super roche lisse. Je vais faire une deuxième cuisson. Il y a un avantage à faire ça. Je vais super bien cuire la roche. Et puis hop. Ça me fera de la belle pierre gris clair. Allez-y, adjugé vendu. Alors. Supervision du chantier. Où est-ce que j'en étais? Là, il faut que je fasse tout le tour en bois. Il va falloir que je joue les bûcherons. Les bûcherons, pardon. Ça va pas être triste.
bah allons couper du bois. J'arrive pas à me lever, mort de rire, je suis trop bien dans mon plumard. Eh ouais. Mais bon, ne sois pas en contradiction avec toi-même. Tu as dit que l'heure tourne et que le magasin risque de fermer. Alors si tu veux filer dans une supérette, un supermarché, je sais pas quoi, qui est ouvert jusqu'à 13h le dimanche, il te reste 90 minutes, hein. Et encore. Non, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça, je vais planter l'arbre. La, 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 la. Oh, c'est de l'ambiance, mon dieu. J'ai essayé de faire un jeu de percussion. Oh, un restant de souche. Ah, lapinou. On a reconnu le lapinou. Allez, courage, courage, Chris, tu peux le faire. Je sais pas, motive-toi, pense aux aliments frais que tu vas pouvoir acheter. Bisous, à plus. Ah là là. Pouk. Voilà, et le mouton, l'autre, il m'a carrément bousculé, le mouton. Incroyable. Comme si je le faisais suer sur son propre territoire. Ah, une petite pomme. Bon, logique minecraftienne, hein, vous en faites pas, ce sont des chênes, c'est du bois de chêne, mais ça donne des pommes. Donc chêne et pommier confondus dans le jeu. Il faut pas chercher trop loin. Mais je devine qu'il y a plus d'un gamin qui a dû être perturbé. Donc il a dû affirmer à l'école, dire « Oh, mais les pommes, ça pousse sur les chênes. » Mauvaise réponse. Et anecdote mignonne de famille, ma frangine qui disait, quand elle était petite, « Les cerises, ça pousse sur les marchés. » Souvenir de famille. Ah là là. Alors, je vais reprendre les pousses d'arbres. Alors, vous voyez le petit filet de terre que je me suis amusé à disposer par-dessus la dune. En fait, je cherche à ce que ce soit couvert d'herbe en surface. Parce que si je veux un cube avec de l'herbe et l'herbe se répand naturellement dans Minecraft, il faut avoir ce qu'on appelle un outil d'extraction, une pelle, hein, mais avec un effet magique dit effet de soie. Chose que je n'ai pas pour le moment. Là, je ne suis pas à un niveau technologique de la magie, parce que je ne suis pas allé en enfer. À mon avis, je vais inaugurer le portail de l'enfer cet après-midi avec vous. Ce sera intéressant. Oh la vache. Oh, c'est un grand arbre qui vient de pousser. Bref, et j'attends que l'herbe pousse tout le long du filet de terre pour que ma cour intérieure, plus tard, quand ce sera poulailler, bah, ce soit pas de la terre battue, mais bien de l'herbe, quoi, que ce soit qui a un aspect agréable. Wally Wallou. Petite explication technique pour ceux qui sont pas spécialement à l'aise avec Minecraft ou qui maîtrisent pas encore les subtilités du jeu. Wally Wallou. Bon, c'est le crépuscule, faut que j'aille me coucher dans le plumard. Faut que je fasse l'inverse de ce que fait Chris dans la vraie vie. Faut que j'aille me péter là. Aïe aïe aïe. Pardon.
Ouais, et là on voit que j'essaie de construire en fait un hôtel en bois, mais c'est toujours le problème, il faut avoir du bois, du bois, du bois et du bois. Donc je vais être bûcheron pendant pas mal de temps. Oups, merde, j'arrive même plus à passer dans le dans l'encadrement de la porte. N'importe quoi moi. Là aussi je veux faire un beau pont, un truc classe. Attendez, je vais peut-être m'acharner là-dessus déjà. En bord de plage, ça fait... Alors parfois il peut y avoir des tortues. Attendez voir. Est-ce que je vous ai parlé des ours polaires? Ah bah tiens, elles sont là. Regardez. Il y a le petit téléo aux tortues. Lève-la les tortues. C'est Mimi. C'est vachement bien fait. Elles sont posées, elles pondent leurs œufs. Alors... Oh, si je faisais un beau ponton large, c'était stylé, non? Ce serait stylé. Qu'est-ce que je fais? Je pars de là. Poc, poc, poc. Voilà, un truc vachement beau. Je suis au bon endroit, on est d'accord. Ouais. Attendez voir de loin. Ouais, déjà là ça fait logique au niveau de la physique. Au niveau de la physique du jeu. La question est, je mets des poutres tous les combien de cubes? Allez, je pars de 5 à chaque fois, j'essaie de faire un truc cohérent. Merde home, ça y est, je commence déjà à me planter. Ah bah ça tombe bien. La chanson perdue dans le désert tombe très bien. Ah. Nous sommes dans le thème. Merdoum. C'est bien, ça fait cohérent au niveau géométrique par rapport à la pose de mon pilier de pierre. J'ai pas fait exprès, mais ça tombe très bien. Zadon dridribi. Hop là. Nickel. Oh, ça fait classe. Et la logique voudrait que j'en mette encore un peu par là. Ah, il m'en manque plus trop en fait. C'est cool. Ah, ça a de la gueule. Mais je vais peaufiner après. Alors, dans ma banque de sons, vous avez entendu un mec. C'est. Alors, j'ai demandé en fait à une amie qui parlait couramment arabe. Je voulais m'assurer évidemment de ce que je mettais dans mon titre. Et adorable, en fait, elle m'a expliqué que ça correspond à l'appel de la prière. Quand bah, ceux qui sont majoritairement d'ailleurs de confession musulmane, ils font l'appel à la prière, vous savez, quand ils sont dans le minaret, dans une mosquée. Et c'est ça en fait qu'on entend. Et ça fait vachement cohérent. Vous imaginez que vous êtes voilà dans le désert, que vous arrivez, il y a peut-être des, comme ça, des mirages et tout. La chaleur vous pèse. Vous marchez en plein désert. On est en plein dedans là. Et vous arrivez vers une cité où il y a voilà, il y a la, vous distinguez au loin le minaret de la mosquée. C'est l'image là que j'avais en tête quand je composais mon œuvre. Voilà ce qu'il en est pour l'explication de texte.
Et je trouve que le chant est beau là, quand le monsieur il fait son ça fait classe. Allez, j'ai plus de petits arbres en fait. Je suis en train de planter des arbres, mais ils deviennent grands. Ils sont tellement beaux que je vais les garder. Attends, c'est moi que j'ai mal coupé le. Ah oui, merde! J'ai mal bûcheronné. Oh là là, j'ai fait du travail de cochon. Rien ne va plus. Bah, attendez. Oui, il y a un petit arbre là. C'est un Enderman qui a déposé le cube de terre. Bon, avec ça, je vais pas aller très loin. Je vais aller sur le ponton. Tac, tac, tac. Alors, la suite des poutres. Tac, tac, tac. Donc, je vais mettre une là. Merdoum ! De l'importance de choisir la bonne face. Voilà. Que ce soit la verticale, le truc. 4, 5. Voilà. Oh, trop bien. Ah, c'est cool. Oh, mon cheval qui a réussi à se barrer de l'enclos. Salopard. J'y allais doucement parce que j'avais peur de lui péter les pattes. Mais j'entends des bruits bizarres dehors. Attendez, c'est peut-être les voisins. C'est les voisins qui sortent leur voiture. Ah, soupir. La dalle enchaîne. Je réfléchis, est-ce que ce serait pertinent? Ah, pourquoi pas? Pour faire un truc stylé au niveau de la. En dessous, sous le ponton. Faire un truc renforcé. Attendez voir, que c'est un peu de la tronche. Comment je pourrais faire? Ouais, faire comme ça. Tac, à mi-hauteur. Hic. Merdoum. Ah, pas mal. J'aime bien le rendu. Alors,
Si je veux faire... Merde, mais il fait déjà nuit. Oh là là là. Je sais plus les cycles jour-nuit dans Minecraft. Je crois que c'est 8 minutes temps réel, un truc comme ça. Mais ça va vite en fait, ça défile. Ça défile. Oui, c'est bien un creeper que nous voyons là. L'ennemi emblématique du jeu est bien présent. Faut que je m'en méfie. Faudrait pas qu'il me pète à la tronche. Oui, d'ailleurs, je sais pas si t'es encore là, SDR. Si tu le souhaites éventuellement qu'on s'organise là sur le Final Fantasy. Enfin, si tu souhaites déjà parler de ça maintenant, n'hésite pas à te manifester sur le chat. Attendez, parce que je risque de me faire prisonnier moi si je reste là. Enfin, je pourrais passer en dessous, vous me direz, mais. Mais merde, mais il se barre vite mon cheval là, il en a marre de l'enclos. Faudrait pas qu'il se promène trop loin parce que. Je pourrais le perdre. J'ai envie de voir de l'autre côté ce que ça donne. Bah tiens, on va y aller à cheval. Allez hop, les poils punis. Attends, on va aller dans la baie. Oh là, c'est casse bonbon la dune. Oh, il est pas content. Ah ouais, ça fait crédible. Ouais. De voir le renfort comme ça du ponton. Ça ouais, ça fait parfaitement crédible. Ah, j'aime bien. J'ai une bonne idée, je trouve. Oula, attention le cheval. Ça, il faudrait que j'en fasse une écurie là sous l'hôtel. Ce serait bien pour les chevaux. Ouais. Effectivement. Mais il faudrait pouvoir rentrer les chevaux sans trop de difficultés. Il faudrait que je fasse une barrière en fait. Ouais. Il faudrait que je fasse ça. Attendez voir que je cogite. Fouille. Là il y a du. Ouais, ou en pierre. Ah ouais. L'idée est pas mauvaise, ma foi. Ah ou j'ai une démangeaison de bras. Ouh. Oh, pardon. Là. Ouais, va falloir que je résolve ce pépin. Je suis quasiment au même âge. Mais voilà quoi. Ouais, que ça fasse un mur bien. Clac. Ouais, là je pourrais peut-être mettre de la barrière, tout simplement. Possibilité, ouais, de rentrer les chevaux par là, ouais. Attendez, ça donnerait ça. Tac. Ouais, je mettrai l'entrée là en fait. Pourquoi pas.
Alors attendez, je me balise mon truc. Alors que le cheval est déjà en train de se faire la malle. À part ça, tout va bien. La 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 la. Parce que. Ouais, si je descends à ce niveau-là. Je garde la hauteur là, et puis je peux l'entrer par là. Pourquoi pas? Tac-tac, ouais, au niveau de l'escalier. Ouais. Du coup, là, je vais mettre barrière. C'est de la tronche. Clac, clac, clac. Là, j'ai remis une couche. Oh, il va être midi. Connaissant Funfan, il a mis son réveil. Et il va se manifester à nous d'une minute à l'autre. De toute façon, théoriquement, il faudra qu'il prépare son direct pour 13h. L'heure à laquelle il prendra l'antenne. Bon, c'est bien, le cheval est raisonnable, il est revenu dans l'enclos. Après avoir mangé sa purée. Ouais. Ça, c'est marrant. Alors que souvenez-vous, hier soir j'ai savouré mon plateau apéro là, de légumes. Ça a été un régal, franchement j'adore ça. Je dirais pas non, de la purée de carottes. C'est ce genre de mixture qu'on te sert quand t'es en maison de retraite et à l'hosto, mais là je. Sans déconner, je serais demandeur de purée de carottes. Je dirais pas non. Alors, le bois, toujours le bois. Là, ça va être le nerf de la guerre, parce que... Encore que non, je suis pas obligé de faire des barrières en bois, moi. Encore que on verra pas la mer, là, par exemple. Ouais, c'est un peu dommage. Parce que je peux faire aussi des murets en... Enfin, des murets. Ouais, si, des murets en pierre. Mais... Enfin, le bois, c'est vrai que couleur chaude, c'est tellement plus sympa. Oui, bah, les dalles de chêne, je vais les déposer. J'en ai besoin. Je n'en ai plus besoin. Ça m'étonnerait que j'ai une réserve de bois quelque part. Alors certes, j'ai les pousses de chêne. Ça, il y en a. Mais pour ce qui est du reste... Non, non. Le bois est ressource précieuse, surtout dans un désert. Ah, j'ai encore des petits arbres qui ont poussé, ça va. Et petit à petit, bah, je vais replanter une vraie forêt. Sur les dunes, ça va faire trop bizarre. Oh, je réaménage en conséquence. Là. Je ferai peut-être de l'agriculture. Il y a des arbres qui sont majestueux. Un bois être généré de manière aléatoire, ça a de la tronche. Mais il est beau celui-là. Il est beau. Oui, je veux dire, plus. Ouais, sinon je vais le garder dans la barre d'action les bûches de chêne. Ça kef kef boreko. Ah, j'ai cru avoir aperçu un ennemi dans le désert, mais non. J'ai confondu avec un cactus. Je finis par y voir des mirages. Bah tiens, c'est un petit arbre là-bas. Je vais le couper et le replanter. Puis quand ce sera un grand arbre, je lui foutrai la paix.
Parce qu'un grand arbre ici, ça va être sympa. Sur notre merde, homme. Ah, il faudra que je mette à jour mon Discord, moi. Vous savez, pour la liste des... Et puis la commande aussi. Là, sur le Wisebot, là, sur mon chat. La commande des jeux faits. Parce qu'hier, je le rappelle, on a fini Killing Time et Corridor 7. L'excellent Corridor 7, j'aurais adoré. Et Mazette. Ce week-end, on a bouclé deux vieux FPS rétro, là. Qui ouvre la voie à des nouveaux jeux bah, dans les week-ends à venir. Peut-être que je me lancerai dans Portal, peut-être que je me lancerai dans Half-Life. Si j'arrive à faire le point avec SDR, je vais peut-être me lancer dans Final Fantasy XIII. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça va un peu bouger le mois de février au niveau de ma chaîne, au niveau contenu. On va laisser place à de nouveaux jeux comme ce matin. Voilà, spontanément, je vous ai choisi le Snowblind. C'est sympatoche. Du coup, ça me laisse la porte ouverte à des critiques. Puisque j'ai ouvert une branche sur mon Discord où je vais vous pondre un billet à chaque jeu fini, j'émettrai une critique. Donc là, je vais déjà faire celle de Resident Evil 0 que j'ai fini sur PS3. Mais libre à moi d'en faire une sur Corridor 7 et sur Killing Time. Et j'aurai des choses à dire. Vous savez que ça m'a pas laissé indifférent. J'ai bien aimé. Surtout Killing Time, franchement, qui a été une bonne surprise. Moi, en tant que joueur, j'aurais adoré. Et je pense que, en toute honnêteté, j'aurais été que spectateur, j'aurais apprécié aussi. Parce que vraiment original. Alors, j'ai un peu de bois. Comment je... Oh, tout de suite, je pose les bûches et je continue à faire mon mur, là, comme ça. Soyons fous. Soyons fous, allons-y. Merde, non, c'est pas la bonne essence de bois. C'est celle-là que je voulais. Merci. Allez, tout est go. Alors que mon cheval est en train de se faire la malle. Tout va bien. Ah oui, là aussi, je peux mettre... Clac, clac, clac. Oui, le coup de la purée, là, Twinsen. Je sais même pas ce que je vais me faire à manger ce midi. J'ai pas réfléchi. Je crois pas que j'ai des restes. Qu'est-ce que je me déguste, moi, à midi? Je me demande si je vais pas me faire des pâtes. Des pâtes, d'ailleurs, que j'achète désormais complet, complet. Parce que c'est meilleur pour la santé. Ça nourrit mieux. Et pardon. Faut que je boive un coup. Avec des petits lardons. Hein. Crème fraîche. Je sens que je vais me faire ça. Rien que d'en parler, ça me donne envie d'en manger. Ah, je peux me faire des flageolets aussi. J'aime bien les flageolets. Et puis j'ai une pizza aussi qui m'attend. J'ai une pizza en Joker. Mais la pizza, à mon avis, je vais la savourer en début de semaine prochaine. Oh, on voit les petits poissons. Vous avez vu? C'est Mimi. Ça, ils ont disparu. Oui.
made and known by all humans. Oula. J'avais pas fait gaffe au compteur. Je vois que ça vous passionne pas, Minecraft, Peinard, Pépouze. Vous êtes deux spectateurs. Merci à vous d'être là. Bah, c'est vrai que j'ai le monologue. Je joue Peinard dans mon coin. Et c'est vrai que Minecraft, ce sera plus vivant quand je vous proposerai qu'il y a enfin du monde qui dédaigne vouloir jouer avec moi les dimanches après-midi. Et qu'on se fasse des trucs en commun. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment tellement posé que t'as une envie de s'endormir. Mais bon. Vous inquiétez pas, il y aura des sessions de Minecraft bien plus haletantes que ça. Et promis, cet après-midi, j'essaye d'aller en enfer. Je vais ouvrir mon premier portail dit de l'Ender. Et là, ce sera plus captivant. Là, il va se passer des choses. Et puis, je vais découvrir, parce que sans déconner... La version vanille, j'ai tellement joué ces années précédentes à Minecraft en version modée que je vais découvrir les nouveautés de la version d'origine vanille que j'ai pas joué depuis des années. Donc l'enfer va avoir un aspect nouveau pour moi. Je vais très probablement découvrir et des nouveaux ennemis et des nouvelles matières et des nouveaux dangers surtout. Ah, vous n'êtes plus qu'un, tout le monde se barre. Ah, c'est horrible. Le compteur qui, minute après minute, qui se vide, il n'y a plus personne. Je vais me retrouver en monologue seul avec un compteur à zéro. Oh là là, la décrépitude la plus totale. Mon Dieu, mon Dieu. Eh ben... Oh là là, la tristesse. Aïe, aïe, aïe. Et à ma grande surprise, FunFan qui s'est pas manifesté. Tiens, tiens. Eh bien, il aurait pas une panne de réveil quand même. Je vais déposer mon sable dans le coffre. Pareil, je me trimballe le bois de boulot, mais il ne sert à rien là. Alors, ou alors le bois de boulot, je vais en faire des portiques pour les chevaux. Merdoum, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'était ça. Mince, pardon, je clique pas là où il faut, moi. Alors ça c'est des barrières, mais ah voilà, en portique comme ça, ouais c'est pas mal. Non, en bois de boulot, ouais c'est pas mal. Ah ça m'en fait deux petits, ouais ça va pas loin. C'est pas la richesse. C'est pas la richesse, c'est pas l'opulence. Je vais creuser, sans déconner, ouais, je vais creuser, comme ça je serai à niveau. Je serai à niveau. Ah ouais, mais ouais, sur du béton, c'est assez cruel, ou alors, il faudra que je mette de la terre. Alors je garde le petit coin de sable avec le buisson mort, juste symboliquement pour le décor. Oh bah celui-là je vais pas le garder, hein, sinon ça fait minouche. On voit la cohérence du jeu, hein, c'est nouveau ça. Vous dégommez un buisson, vous obtenez des bâtons. Et certaines branches sont exploitables. Plein de bon sens tout ça. Il n'y avait pas ça avant. Le jeu évolue bien au niveau de sa programmation.
Oui. Évidemment, on va voir que j'ai pas de réserve de terre. Oh, j'ai plus le cheval à vue, là. Il se barre où? Gris-poil, t'es où? Gris-poil se fait la malle. La 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 la. Gris-poil et oh merde. Je crois que j'ai des soucis. Ah merde, Gris-poil est là-bas. Non, ne me dis pas que Gris-poil a été fait prisonnier. Les salopards. Ouais, c'est vrai que ça pourrait prendre la forme d'un château. Mais là j'ai un souci. Mon cheval est près de l'ennemi. Oups. Oh oh oh. Il y a plusieurs arbalétriers qui font la garde. Et j'espère qu'ils n'ont pas embarqué mon cheval. Ça craint du boudin. Merde, pardon, j'ai donné un coup de poing au micro. Désolé. Oh oh. Moi qui pensais être peinard pépouze sur la côte, bah tiens. Le jeu, on a décidé autrement. Mince. Merde. Mon cheval est fait prisonnier. Il n'y en a pas d'autres? Ils vont peut-être se barrer. Oups. Bon, je vais provoquer le passage de la nuit. Déjà. Que j'ai l'avantage de la... mais mon cheval a disparu. Il est où mon cheval? Ne me dis pas qu'ils me l'ont buté. Où est mon cheval? J'ai plus à vue le cheval. Non. Ne me dis pas qu'il s'est barré durant la nuit. Merdoum, j'en chute. Tellement que je suis choqué. Oh oh, attendez. Alors je vais prendre de la hauteur et je vais observer la situation. Oui, bah là je serai bien. Là je serai bien. Je vais manger une carotte parce que je me suis fait bouger. Ah non, d'accord, ok. Je me suis fait peur. Il est là. C'est juste qu'il était collé au mur. La vache, les salopards. Mais on voit, il mène une patrouille. Ouais. Non, le cheval est là en fait. Bon, il faut pas trop que je le perde de vue, mais eux vont me poser problème. Et je suis pas super équipé quoi. J'ai une armure de fer, mais en plus pas en bon état. On voit qu'elle est bien usée. Même le bouclier, il réussirait plus qu'un tiers d'efficacité. Ah merde. Alors, passé quelques jours, ils peuvent disparaître, les gugus, mais là, ils posent problème. Oh là 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 là. Bon, bah, je vais essayer de les patater, mais je vais essayer de mettre l'arbre à mon avantage. Ça va être violent. C'est violent. Vite, que j'aille derrière l'arbre. Oh punaise. On va essayer de me débusquer. Ça me permet moi de les isoler. Et lui, il est là. Wow. Et ben j'ai eu du bol. Je les ai eus. Et mon cheval va revenir, oui. Tant pis, je vais me cogner, mais hop, au moins il est dans l'enclos. Allez, hop. Bon, j'ai pas pris trop cher, à vrai dire. Je l'ai bien géré. Ça aurait pu très mal se passer. Oui, pardon SDR, je disais tout à l'heure, mais apparemment t'étais pas devant ton écran. Final Fantasy, n'hésite pas à me contacter quand tu te sens prêt pour tout ce qui est partie technique. Voilà où quoi.
Parce que je pense que sans déconner, on pourrait démarrer, si tu veux, dès le week-end prochain. Si le cœur t'en dit. On fera ça les matins, puisque FanFan n'est pas matinal. Et puis, il n'aime pas, je crois, Final Fantasy en plus. Donc, comme ça. Et on pourrait se programmer, tu sais, les samedis matins et les dimanches matins pour faire du Final Fantasy. En fonction de tes disponibilités, évidemment, SDR. Voilà, n'hésite pas à me dire tes préférences, quoi. Je commence à avoir faim. Là, j'ai pensé à mes pâtes tout à l'heure, du coup, et ça m'a mis l'eau à la bouche. Donc, gestion du bois. J'ai des petits arbres pour pousser. Je vais me rasseoir bien parce que là, je suis en train de me tasser et de me zigouiller la colonne vertébrale. Ah, je suis mieux. Ça sert les diamants. Ah, c'est un petit arbre qui a repoussé. C'est rigolo. Ça fait une bis repetita. Doux. Merde, homme. Oh, je suis tombé dans le Strux. Je suis tombé dans le Strux et ça fait splouf. Bon, le cheval est bien dans l'enclos. Est-ce que j'ai de la terre déjà ou pas? Je crois que la ressource est précieuse par ici et ça peut se comprendre. Ah oui, c'est du bois de chêne que j'ai compacté en plus. Ah oui, non, mais là c'est pour faire des trucs artistiques. J'ai un tout petit peu de terre en fait. J'ai que les 40 de là, moi. Bon, bah je vais commencer par les disposer dans le futur enclos à chevaux. Ouais, voilà quoi. Merde. Je voulais pas faire une mode de terre comme celle-ci. Ça fait un peu con. Excusez-moi du peu. On entend mes tentatives de chant, alors que j'ai jamais pris de cours de chant pour mes compos musicales, et on comprend pourquoi depuis j'ai arrêté. C'est un massacre. Mais j'aurais tenté.
Vous savez, en se disant que par rapport à l'électronique, je pouvais gommer, mais le fait de chanter faux, quoi. Ce qui est pas faux, hein. C'est potentiellement faisable, hein, d'un point de vue technique. Mais je préfère faire de la musique pure et dure, quoi. Ça vaut mieux. Alors que, en plus, dans ma banque de sons, j'ai la chance d'avoir des chants de... et de cantatrice d'opéra en plus. Je sais pas si un jour je réussirai à exploiter ça. Et de. Bah, plus techno. Musique électronique, quoi. Des enregistrements studio que j'ai le droit d'exploiter. Puisque j'ai vraiment acheté les droits. Et ça vaut mieux que moi qui essaie de chanter quelque chose parce que c'est un massacre. Comme vous pouvez l'entendre. Et d'ailleurs, c'est ma voix, on l'entend aussi, ma voix quand j'étais plus jeune. Hein. Parce que cette tentative-là de chant, elle doit dater du début des années 2000. Donc c'est ma voix d'il y a quasiment il y a 20 ans, quoi, quand j'avais la vingtaine. Le temps passe trop vite. Ah, c'est bien ma petite traînée de terre qui prend l'herbe. Ça fait son effet, c'est cool. C'est cool, waouh là. Pouk. Allez, petit peu de bois. Touche du bois, ça porte chance. La, 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 la. Je vais y aller morceau par morceau. Tout doux. Oh merde, ça va être déjà la nuit. Oh là là. Vas-y voir que j'alterne avec du bois. Enfin des planches. Comment je faisais mon truc? Ah oui d'accord, ouais, je faisais un carré en fait. D'accord. Ok. Ouais c'est pas compliqué. Attends, je vais dans le plumard pour provoquer le passage de la nuit. C'est l'idéal. Ah. Enfin ouais si, à un moment il y aura ça, mais j'ai rajouté un peu vite le... Bah! Ah tranquille, il prend ses ailes le cheval. Oh la vache. Ibi. Hop, sur chaque poutre porteuse, je pose une torche. Ah, il va reprendre sa liberté, hein, le cheval. Terrible. Et l'arbre là-bas, il a repoussé déjà ou pas? Non, il n'a pas repoussé. Ça devient que des grands arbres. Oh le truc de fou. Faudra que je me trouve de nouveaux plans. Ça va être une magnifique forêt du coup. Sympa. Ouais, attendez. Attendez, je vais trichoter et je vais pousser de la profondeur. Même là où il y a les moutes-moutes. Les moutes-moutes.
Et oui, j'ai plus de terre. C'est vrai qu'ici, c'est précieux. J'ai tout de pagaille. C'est marrant. Alors, c'est le hasard de ma liste de lecture, mais c'est en train d'enchaîner toutes les parties où j'ai tenté de chanter quelque chose. C'est un festival, là. C'est vrai qu'avec ça, j'irai pas loin par rapport à ce que je veux faire là maintenant. Non, puis là, la terre fait défaut, quoi. Du coup, bah, je suis pas capable de retourner à la mine, moi. Donc, du coup, ça, je le dépose. Oui, je peux déposer tout ça. Je vais me garder le bois pour éventuellement me faire des manches d'outils. Allez, on va varier les goûts, les couleurs. Alors, avant d'aller à la mine, je veux pas perdre le cheval. Le cheval, il faut que je le... Oh, j'ai pas encore d'enclos à proprement parler. Ça me rend nerveux d'ailleurs. Je suis en train de me dire si je vais pas rentrer à cheval, le foutre dans l'enclos et revenir à pied. Mais l'enclos qui est à 2 bornes d'ici, je la sens pas. Ça me ferait suer de perdre mon cheval. Parce que petit à petit il se promène, mais si on le laisse 2 jours en liberté, on le revoit plus. Donc on va faire comme ça. Hop, je récupère des pousses au passage. Je vais leur mettre dans l'enclos original du début. Et je vais revenir à pied. Au moins je serai serein. Me toi-même. Oula, oula, c'est abrupt par ici. C'est casse-gueule. Ah, poupoule. Voilà, oui, j'ai vraiment clairement j'ai pas pris la bonne le bon arrangement. Donc cet après-midi, on fera le crâne que je suis en train de me construire, qui est en fait le portail vers les enfers, ce qu'on appelle l'Ender dans le jeu. GGG Ender. Allez, Zou, il va rentrer dans l'enclos de tout à l'heure. Au moins, je sais que là, il pourra pas se barrer. Dans la conscience tranquille. Tant que je suis là, ressources, qu'est-ce que je peux shipper qui pourrait m'être pratique? Réfléchissons bien. Ah bah là, j'ai une tonne de bois. Je vais m'en priver, tiens. Allez, hop, réquisition. Puisqu'ici, c'est pas le bois qui manque. Là, j'ai même une étiquette, dis donc. Pardon. Ah, j'ai des écriteaux en bois de bouleau, dis donc. En vachement clair. Ah, ça peut être sympa, ça. Je veux bien les embarquer pour là-bas. Là-bas. Yododo, des oies sauvages. La la li, la li loula. Sans déconner, il va falloir que je fasse une structure en améthyste, en mauve pétant. Je suis sûr qu'il y a un truc artistique magnifique à faire. Mais magnifique, gros comme une baraque, quoi. Et je sais pas quelle œuvre d'art dans quoi je vais me lancer, mais ça va pas tarder. J'ai très envie d'exploiter cette texture.
Surtout en plein désert, ça, avec la blancheur du sable, ça, je suis sûr que ça va en jeter, ça va avoir de la tronche. Ça va avoir de la gueule. Bon, allez. Tiens, les petites pousses d'arbres, je vais les laisser là, tiens. Pour faire un repiquage de bois. Voilà, là, il est peinard, il est dans son enclos, on le voit même plus. Ah, il est là. Au moins, j'ai la garantie qu'il va pas se barrer le temps que je termine de créer l'autre enclos. Pommes de terre. Allez, pommes de terre. Je vais les repiquer. Ça me fera des pommes de terre à, éventuellement, là aussi, à planter là-bas où je suis, au bout. Et qu'y a-t-il dans ce coffre au beau milieu de la dune? Je ne sais plus. Le coffre de terre. Oh, il y a de la terre que je vais réquisitionner, dis donc. Un petit peu, pas tout. Ça va m'aider à avancer dans mes aménagements de terrain, là. Bonne trouvaille. Oh, il va faire nuit. Il va falloir que je me remue les fesses, moi. Parce que crépuscule qui se pointe. Et le temps de faire le chemin à pied, ça va être risqué. Le lapin qui traverse la route. Trop drôle. Ah, c'est mignon, c'est un petit couple. Mais sans déconner, moi, si je devais mettre un avis sur la prochaine version, les nouveautés qu'il devrait y avoir, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'animation dans le ciel. Je sais pas, un oiseau, mais pas hostile, neutre. Parce que là, maintenant, il y a la menace de nuit. Quand vous dormez pas trois nuits de suite, vous avez ce qu'on appelle les fantômes, ces espèces de révolantes qui arrivent du ciel et qui partent en piqué, vous hantez et vous patatez et vous êtes mort. C'est sympa comme nouveauté, mais il faudrait rajouter une créature céleste qui soit non hostile et ça compléterait le tableau, mais vraiment bien quoi. Je sais pas, est-ce qu'ils vont nous mettre une buse, est-ce qu'ils vont nous mettre des pigeons, des corbeaux, je sais pas, libre à eux de, mais une créature volante neutre, ce serait trop bien quoi. Ah, encore un lapinou. On a entendu un cochon. Ah, je vais devoir escalader la dune alors qu'on commence à voir les premières étoiles de la Noé. Ah, je suis pas proche de... On voit, on perçoit ma structure, mais le temps de l'atteindre. J'ai peur que les premiers ennemis apparaissent devant mon pif. Vite. C'est beau. Ah, c'est magique. Ah, c'est beau. Ah, j'aime bien. Ah, bah, vous voyez, j'ai déjà un zombie momifié. Bingo. Bingu. Allez, zou au plumard. On provoque la fin de la nuit. De la nuit. Oh la vache. Oh non, il y a des creepers là-bas. Alerte creeper. Burp. Oh, il a dépopé. Oh la violence. Il a fait. Ah là là. Il a fait chpok. Alors, ici, je rajoute un peu de terre, histoire de rendre agréable l'enclos pour les chevaux. Oula. Il y a un zombie qui mourut. On a entendu gémir. La 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 la. Pa, 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 pa.
1-1. Perdu. T'as pas eu de prise à la pêche, mon cher SDR. Dommage. Dommage, dommage. C'est péduche. Je vais faire un aménagement assez astucieux en cuvette, histoire de me remettre à niveau d'un côté et de l'autre du... Je sais pas si on peut parler de hara, mais ça va être la planque des... Attends, l'œuf, je vais le ranger parce que il est précieux. En lançant l'œuf, je vais avoir une chance sur 10, je crois, d'avoir un poussin. L'idéal pour commencer un élevage de volailles dans la cour intérieure. Pierre, non, je vais faire un truc en escalier de pierre. Non, c'est pas des escaliers de pierre, donc tout ce que j'ai bidouillé, moi, en produit final. Tiens, je vais pouvoir poser mes pommes de terre ici. Hop là, 10. Très bien. Les écriteaux aussi, hop, pancarte, hop. C'est pas perdu. Et ben, force est constatée comme nous. Donc, je vais faire en pierre des abîmes mon escalier ou pas. Ou en matière plus noble. Je peux prendre un peu de tuf aussi. Ça fait un peu le bout. Ça fait réaliste pour un pataugeoir à chevaux. Là. Ça fait réaliste. Pierre des abîmes ? Attends, est-ce que j'ai le droit de le mettre en forme d'escalier, la pierre des abîmes ? Ah oui, j'ai le droit. Ah, je peux même en faire des murets. Tiens, tiens. C'est bon à savoir. Ouais, bah je vais en prendre 8, ça suffira. Ça suffira. Donc bien aménagé. Ouais, comme ça. Voilà. Nickel. Ouais, ça fait sympa comme ça. Et puis là, je rajoute la gadoue. Oh, la gadoue, la gadoue, la gadoue. C'est plein de boue. Eh bah, c'est pas mal pour un enclos à chevaux. Ça fait crédible, moi je dis. Là, il faut que je refasse une petite entrée avec un petit portique. Non, pas mal. Bon, là, cette cavité dangereuse, il faut que je la rebouche et que je fasse un beau terrain plat. Histoire que ça cesse d'être casse-binette. Bon, je mets la torche au milieu, là, histoire de pas avoir des monstres qui se génèrent la nuit. Ça fait crédible, le truc. C'est cool. Je suis satisfait de mon taf. Et j'ai bien bossé. Ah, oui, ça m'ouvre un petit arbre. Bleh. Va le rebouchonner. Et j'arrêterai ici le jour où ça deviendra un bel arbre. Tout grand, tout beau. Attendez, je vais ranger là. Hop. La torche. Alors, je suis surpris que FunFan se soit pas manifesté à nous ce matin. Je suis même pas me demander s'il n'a pas eu un incident ou une panne de réveil et qu'il dort encore en fait. Je commence à me poser des questions. Ah, les tortues ont pas bougé, trop bien. En fait, on le sait pas, mais elles sont mortes sur place. De vieillesse. Oh là là. C'est la baie aux tortues. C'est trop mignon. Et les ours polaires, ils sont toujours là-bas? Ah oui, on les voit. Ils ont pas bougé non plus. 1, 2, 3, soleil. Bon.
Mais à une époque, hein, j'ai vu les tortues se barrer et aller au loin. C'était intéressant à observer. Mais là, je sais pas, elles bougent pas. Elles sont peut-être en ponte. Elles se reposent. Rigolo. Côté aléatoire du jeu. Alors, est-ce que j'ai une pousse là-dedans, moi? Non, j'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas de pousse qui... Ah, ça y est. Bah tiens, faut que j'en parle pour qu'il y en ait une qui... Poup ! Qui apparaisse. Ah oui, elle est là. Voilà, comme ça, je vais la replanter tout de suite. Au moins, ce sera fait. J'aurai pas à me... focaliser sur l'endroit. Allez, go. Bon, ça, c'est fait. Je vais peut-être mettre des torches dans le... côté intérieur des piliers, histoire de bien éclairer la zone de nuit. Faut pas négliger l'éclairage. Je peux mettre les torches brutes comme ça, ouais, ça se tient. Et là, il faudrait que je fasse une sorte. Alors, comment je rembourre le truc là? Est-ce que je laisse en sable, en sablé, ou est-ce que je fais un truc... Là, je suis censé faire une route en plus, j'ai commencé. Je serais peut-être bien de déblayer. Alors, je ferai ça hors antenne, hein. Je vais pas vous faire subir ça. Oh, c'est rigolo, dans les compteurs, on a pile 100 messages dans le chat. C'est rigolo de voir le compteur 100. Pam. Est-ce que niveau bûche, grenage, 101, oui, c'est une scène. Ah oui, alors, c'est marrant que tu joues la provoque là-dessus, parce que c'est pas en enfin, c'est pas en direct. Le rafraîchissement par défaut... Ah si, il a mis 101, à l'instant. Il est en train de me contredire, merde. Normalement, il y a un rafraîchissement des compteurs, je crois que c'est tous les quarts d'heure par défaut que j'avais programmé. Histoire de, vous savez, de pas trop solliciter le serveur Wisebot, parce que c'est lui qui tient les stats. C'est des tas. Non mais oh, tu es une scène. C'est malin. Mais je suis content. Sans déconner, je suis content que mon bidouillage là soit ma petite programmation soit correcte, opérationnelle. C'est vraiment ma fierté de depuis qu'on est sorti de la phase expérimentale de la chaîne. Et... voilà. C'est... la chaîne ressemble telle que je l'avais rêvé. C'est le bonheur. Hop là, tac tac tac. Ah, c'est cool, ça fait pas mal de bois là. La récolte de bois, elle est bonne. C'est cool. Là, là encore, il y a un petit arbre. Zou. Allez, bûcheronnage dans la joie et la bonne humeur. Quick. Après là c'est des grands... Celui-là il est vraiment majestueux aussi comme arbre. Punaise. Cherchez un petit bûcheronnage. Ah oui, c'est pas tous les quarts d'heure. Bah merde, il vient de se mettre à jour le compteur. 103, ouais. Il faudrait que je corrige ma copie dans la programmation. Parce que sans déconner, c'est quand même un gadget quoi, l'histoire d'avoir les compteurs. Et je trouve que c'est abusé que j'interroge le serveur Wisebot au niveau de mes stats. Toutes les 5 minutes, c'est... je sollicite le réseau pour pas grand chose quoi. Je reverrai. Bon, ça marche, hein, mais je pense que je vais diminuer la fréquence de mise à jour. Déjà la nuit, je retourne aux plumères, histoire de pas avoir d'ennemis. Quick. Ah, vas-y, Walou. Bon, bah c'est bien tout ça. Je vais me déconnecter, je reprendrai après ma pause déjeuner. C'était tout cool. Oh là là.
Alors. Ah, je peux pas garder le jeu de toute façon parce que. Au niveau de la mémoire, le problème, c'est qu'il va cracher si j'enche le Discord derrière, quoi. Mais. Je vais. Je vais voir si FunFan est déclaré en vert dans Discord pour voir s'il est bien réveillé. Je suis vraiment intrigué qu'il soit pas manifesté ces dernières minutes là. Il est censé prendre l'antenne dans un quart d'heure, je le rappelle, pour nous faire du Pong 99 sur de la PlayStation. J'ai mon Discord qui se recharge. Si vous voulez, pour vous faire patienter, je vous mets le... Ouais, c'est long, la purée à manger. Pour vous faire patienter, si vous voulez, je vous mets mes clips au hasard en attendant. Je coupe la zic. Attendez, quick. Discord, attendez, qui s'est chargé? Non, il n'est pas en ligne. D'ailleurs, je vois un de tes messages. C'est une scène que tu m'as envoyé en privé, là. Dieu des rêves et du bluff, merci. Donc je... Ah, Peter Molineux, m'en parle pas. Oh, 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 oh! Oh là là, je vais rigoler quand je vais voir la vidéo. Merci hein, du partage, Vincent. Mais FunFan n'est pas réveillé. J'ai l'impression que FunFan ne va pas prendre son antenne. Bah j'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Putain, ça m'étonne. Attendez, je vais regarder rapidement. J'espère qu'il a pas... attendez, je lis discrètement le Discord. Est-ce qu'il a déposé un message sur son Discord à lui? Comme quoi il aurait un souci ou je sais pas quoi là. Mais je crois pas, non? Vous avez rien lu dans le sens, les copains. On s'est quitté hier vers minuit et demi. Il y avait eu une longue animation sous Runaway. L'équivalent d'une d'un dessin animé, quoi. C'était vachement bien, mais... Bah alors, et dans le planning, il a toujours... Mais oui, il a annoncé tout à l'heure à 13h le Pong 99, il n'a rien changé. Je crois, sans déconner, que FunFan a un pépin de réveil. Parce qu'il est déclaré hors link sur Discord. Là, j'ai envie de dire, c'est horrible, mais il s'est étouffé avec sa purée, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, tu vas rire, tu une scène. Mais il m'a pas cédé son numéro de portable. Je peux pas l'appeler. Le pire, il a le mien. Mais on n'a jamais pris le temps de s'appeler. Donc j'ai jamais mémorisé son 06 à lui. Donc je pourrais même pas le provoquer. L'appeler en ligne, je peux pas. C'est couillon. Bon, bah j'espère qu'il va bien. Moi, je me souviens qu'au niveau de son patelin, il pouvait de temps en temps être victime de coupures d'électricité. Alors, est-ce qu'il y en a eu cette nuit et que son réveil s'est réinitialisé et il dort toujours? Peut-être. Mais sans déconner, si c'est pas manifesté d'ici 10 minutes, je vais couper bêtement mon antenne ou je vais faire le relais de chaîne à quelqu'un d'autre. Hein. C'est ballot, ça, quand même. De mettre debout, FunFan. Bon, bah je vous cache pas mon effet de surprise. Je vais vous mettre les clips, attendez, pour vous faire patienter, et je mène mon enquête de mon côté. Je vous rejoins dans quelques minutes, à tout de suite. Dans de gauche, 50, attention, saut devant. 50, épingle droite. C'est drôle de dire chaud devant dans un pays scandinave. 50, sur crête. Merde! Faut que j'arrête de dire des bêtises, mais non! Mais non! Ah, ça m'apprendra. Dans 4 gauche. Oh mince, j'étais parti pour faire quasiment l'étape de la perfection. Dans 2 droite, 50, 2 droite. Tiens, attrape. I'm gonna get medieval on your asses. Je me dis, tiens, attrape, hop. Your face, your ass, what's the difference? Comme un chien avec sa... Ah bah non, je suis dans le mur, là, il se passe rien. Ok. Sans les mains. Yeah.
C'est un numéro de cirque exceptionnel. Lara Croft vous fait de la lévitation. Comment on appelle ça en anglais? Remise en forme. Mince. Pas training. Du. Pas du coaching, pas du training, du. Fitness. Voilà, chercher le. Oula. Merde, c'est un innocent lui. J'ai failli le buter. Ah, c'est des innocents. Quoi? Pourquoi il m'a dit objectif échoué? J'ai pas compris. Alors, faut que je sauvegarde parce que j'ai fini la course. Ah, très fort. J'ai déclenché le son de mort, mais sans mourir. C'est une... Oh. Ah. Dans de gauche, 50. Attention, saut devant. 50, épingle droite. C'est drôle de dire chaud devant dans un pays scandinave. Mais pardon, j'ai fait une fausse manip. Hein. Là, vous m'entendez en direct. J'ai pas de nouvelles de Fun Fan dans l'immédiat. Attendez, je reviens vers vous dans 2 minutes. Ah, ça m'apprendra. Dans 4 gauches. Oh mince, j'étais parti pour faire quasiment l'étape de la perfection. Dans 2 droites, 50. 2 droites. Tiens, attrape. I'm gonna get medieval on your asses. Je me dis, tiens, crap, hop. Your face, your ass, what's the difference? Comme un chien avec sa... Oh! Ah bah non, je suis dans le mur, là, il se passe rien. Ok. Sans les mains. Yeah! C'est un numéro de cirque exceptionnel. Lara Croft vous fait de la lévitation. Comment on appelle ça en anglais? Remise en forme. Mince. Pas training. Du. Pas du coaching, pas du training, du. Fitness. Voilà, chercher le. Oula. Merde, c'est un innocent lui. J'ai failli le buter. Ah, c'est des innocents. Quoi? Pourquoi il m'a dit objectif échoué? J'ai pas compris. Alors, faut que je sauvegarde parce que j'ai fini la course. Ah, très fort. J'ai déclenché le son de mort, mais sans mourir. C'est une prouesse. Oh. Ah. Les aliens qui ont, je le rappelle, des PS4. C'est vrai que ce signe me fait délirer. Non. À la Serious Sam, j'ai envie de dire. Oui. Ou à la Tomb Raider aussi. Je vous lis. Hein. Donnez un sac à cet homme bon sang. Jupe, machin, je m'en fous un peu. Où sont les sacs? Ils ont disparu depuis un moment. Où sont les sacs, les sacs, les sacs? Je veux des sacs. Cravate. Oh, alors, pardon, je parle par-dessus le best-of, la compile. C'est pour vous dire que FunFan ne donne aucun signe de vie. J'espère que son ordinateur l'a pas lâché. N'oubliez pas que son ordi est vieux. Donc j'espère qu'il n'a pas une panne fatale. Oh, ce que je vous propose, c'est-à-dire que j'ai pas de relais de chaîne à vous proposer. Je vais sûrement vous laisser là. Dr. Hargrove was always recounting his trips to Northern Africa in the 1930s and his search for a mystical water clock from the dynasty of the pharaoh Ramses. The clock supposedly had powers to grant everlasting life, claimed he found it once, but whatever Hargrove. Je pense que côté français, ah oui. Le son était terrible, donc je me suis interrompu. J'ai pas de relais de chaîne à vous proposer, donc je risque de vous laisser là.
Et je sais pas si Funfan va se manifester lors de son heure. Normalement, il aurait dû faire 13h, 16h. Si quand je sors de table vers 14h30, 14h30, il est pas à l'antenne, moi je remettrai à mon tour sur du Minecraft. Mais j'espère que Funfan va bien. Si je devais reprendre l'antenne avant lui tout à l'heure, je vous essaierai de vous donner de ses nouvelles en espérant que je puisse en avoir. Donc voilà, je vous laisse encore un peu la compile. Mais si à 13h pile il ne s'est pas manifesté, je coupe mon antenne. Pardon ? C'est quoi que j'ai entendu ? Ne me dis pas que c'était l'autre crâne omnipotent là. Mais Funfan est toujours pas en ligne. Merci beaucoup pour ce don généreux et spontané. Ça va directement dans la cagnotte de la chaîne et ça permet de financer Serveur Minecraft ou l'achat de nouveaux jeux qu'on décide commun de sur le chemin. C'est vraiment très gentil à toi. Merci tout plein. C'est vraiment très plaisir. Bisous. On voit qu'elle est brouillonne l'alerte. C'est la dernière que j'ai personnalisée. Déjà, j'ai fait une erreur de saisie. J'ai interverti des lettres. J'ai testé une nouvelle police de caractère, elle est très bizarroïde, et mon son, il faut que je le retravaille. Mais merci. Ah. Ouah, c'est beau! Oh, le panneau! C'est là-bas, je crois. Là où il y a le générateur. Vite, vite, vite. On gère. Vite, rapide, on regarde, il n'y a personne. Il n'y a pas de ninja. Allez! Oh oui! Je me barre, vite la plateforme. Vite. Appuie. Oui! Oui! Oh oui! Je passe à la suite! Oh, je me sens mieux! Waouh! Merci! Ouais, je l'ai fait, je suis content! Waouh! C'est la première fois que j'ai aussi loin dans un jeu d'horreur, je crois. Oh là là, j'en tremble. Oh oui! La suite! Oh, je suis trop content! Oh, c'est cool. Ça y est, c'est fini les... On est marre, moi, des... Oh, j'ai dit que j'en avais marre! Je les ai tous trucidés. 2 droite. 50. 3 à gauche. 50. 5 droite. Oh, le saut. Le saut de la mort. J'ai voulu la tenter, j'ai perdu. J'ai voulu couper, j'aurais pas dû. Et il me remet pas sur la piste. C'est la caca. Ah non, ça peut être. Ça peut être en Atlantique. Si c'est la côte nord en Espagne. Je crois que c'est un peu. Oh merde! Merde! Non! Oh non! Oh le drama! Le drama! Oh non! Oh non! Et je reprends en plein écran, pardon. Bon, je vous confirme le côté un peu inédit du programme qui ne suit pas son coup normal. Funfan ne se manifeste pas en ligne. J'espère qu'il va bien. J'ai pas plus d'infos que ça. Je constate juste que sur Discord, il est déconnecté. Donc, il prendra pas son antenne, là, comme c'était prévu. J'espère juste qu'il va bien. J'essaierai de vous tenir au courant si j'ai des infos. Voilà, il est 13h, on aurait dû faire le relais de chaîne à ce moment-là. Bon, moi, je vais prendre ma pause déjeuner, je vais me savourer des bonnes pâtes. Au plus tôt, je pense que je reprends l'antenne vraiment plus tôt à 14h. Peut-être pas tout de suite 14h. Entre 14h et 14h30, si Funfan ne s'est pas réveillé, il ne s'est pas manifesté à nous et souhaite faire son direct quand même.
Donc, est-ce que c'est un pépin technique? Est-ce qu'il n'a pas entendu le réveil et qu'il roupille parce qu'il est crevé? Je ne sais pas. Je suis pas dans la confidence. Espérons juste qu'il aille bien. Voilà. C'est assez surprenant. Donc, j'ai pas de relais de chaîne à vous proposer. Il n'y a personne en ce moment sur Twitch. Il y a les deux chaînes que j'ai, elles sont américaines et c'est pour les billes. Donc, bon, bref. Moi, je vous dis bon app. Merci d'avoir été là. Et bah, ou plutôt, on se retrouve dans 1 heure. Voilà. Je vais aller déjeuner. Et puis, à tout à l'heure. Je reviendrai tranquillou, moi, sur du Minecraft, de toute façon. Merci, bon appétit à toi aussi, Olive. Voilà. Bon. Je vous cache pas mon effet de surprise. Espérons que Funfine aille bien. Allez, je coupe le signal. Bisous, à tout à l'heure. Zou.